qu'elle gagne dans main comme Gomez là. Et pourtant l'on parle avec lui, oui, ça avec l'occupé famille, avec lui voyer petite li l'école et on parle Gomez qui fait toute bagarre là. Et ça même tout maman aussi des véritables DS, yo fait miracle ici dans société noire Martinez. Même parce que foyer journée jeudi a éclaté, il a éclaté par le fait que yo moun yo pas ka faire face à situation économique journée jeudi a et yo supposé yo répondre à ensemble de besoin de logement et on elle me dit logement décent, je dis à nous regarder des nèg qui dans classe moyenne même qui a travaillé au niveau de l'État qui pas cap gagne un salaire plus ou moins qui cap permettre lui joindre un logement décent. Or nous connaît que offre logement au niveau nous connaît qui niveau que lié nèg là obligé à l'habiter en côté dit très pas senti mal à l'aise pour l'habiter en zone que au moins qui pas trop semblé là en tant que professionnel. Donc pour nous dire bah là Jean Lia n'est pas obligé d'habiter en zone ghetto, en zone précaire. Donc problème de logement, d'accès au logement, imaginons tout foyer tout, donc quelqu'un qui est même qui malade, donc ou est que il y a une prescription en main, il y a pas qu'à exécuter par le fait que ti salaire qu'il a touché à pas trop gros job. Mm-hmm. Donc et moun sa tout faut aller loisir, faut mener timoun yo on dit à jouer ou soit mener timoun yo bon pas au cinéma encore mais au moins faut que li par exemple à l'acheter rad pour timoun yo faut l'acheter rad encore li faut ne gachon parfum faut que li fait madame nan un cadeau. Donc il y a tout élément ça qui entre dans vie quotidienne qui vient rendre jodi a par rapport à pression économique qui gagne sous ménage qui fait que jodi a pas ka fait il va pas même pas être un certain loisir. Il y a des familles là qui journée jeudi à ils vont en vacances, des timons qui vont en vacances, on pensait que maman eux t'a dit ah mais écoutez nous va lentir à respirer par rapport à pression l'école payer bus payer transport pour timons à l'école. Donc je dis à timons on va être là car là sont préoccupation parce que et maman famille yo y a besoin timon nan non se faire pour être capable évoluer pour être capable recréer. Or nous connaît que espace de création ici en Haïti y a pas là. Donc je dis c'est dans contexte ça, dans contexte socio-économique extrêmement difficile que nous célébrer fête demain fête maman yo. C'est vrai que gagner une catégorie sociale il y a plus opportunité, nous y a des familles qui reçoivent à fleurs, il y a des familles tout c'est partage de grande richesse, il y a des moisés yo fait il y a des là fait maman cadeau, me fait maman cadeau machine. Donc, mais alors que bon l'autre lui même mon morceau manger, même mon plat manger, il va pas faire maman cadeau. Donc moi crois que contradiction faussée sociale ça sont faussée qui réel et je dis à pigo bataille qu'a maintenant dans la société a c'est une bataille pour réduction de pauvreté, réduction de on a dit fracture ça qui existe en dans dans milieu là réduit inégalité qui gagne dans société. Alors, parce que inégalité a vraiment les criantes même ça me devrait dire au niveau ça même au plus haut sommet de l'État, on l'aime dire au sommet de l'État au niveau des gouvernements ou des cadres, moi contre un pile de cadres dans le gouvernement et que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau du gouvernement qui a plein de situations que eux même personnellement que avait parce que eux même tout en tant que cadre supposé faire face et à coût à réalité à, donc qui est extrêmement difficile. Alors gasoline ça là annonce augmentation imminente de gasoline. Non, c'est sûr que dans les semaines à venir gouvernement a annoncé que le bal prend mesure pour augmentation de gaz là, mais ben là c'est quoi que c'est ça mettait l'huile sur le feu. Ouais. Parce que c'est vrai que gouvernement l'y a cherché et recettes, l'a cherché augmentation de recettes et l'a cherché des moyens pour le battre pour exécuter un série de programmes, pour foncer des programmes, mais je dis à faut regarder incidence on mesure consacrée à gain sur les ménages, sur les foyers, déjà stabilité. Je vais m'expliquer à là qui est déjà en grande difficulté, monsieur que et déjà rappelle chauffeur, association chauffeur et des syndicats qui annonçaient les couleurs, qui annonçaient des manifestations qui vont le faire contre mesure ça. Et je crois que ça va être injuste parce que population de manière globale pas capable de faire face à augmentation éventuelle de prix et essence là. Effectivement, et donc à dire population va gagner ceinture, il va gagner force assez pour ta vienne subir poids éventuelle augmentation de prix essence là à la pompe. Donc
économiciens, ont toujours parlé de l'autre moyen, de l'autre source, le gouvernement lui-même était capable d'utiliser pour augmenter les revenus. Par exemple, la contrebande, ils ont toujours dit, gagne 400 millions de dollars gaspillés sous frontière là, dans la contrebande. Eh ben, ce gouvernement lui-même, ces autorités, lui ont pris les mesures nécessaires pour réduire, pour combattre la contrebande là, eh bien, c'est près de 400 millions qui ont entré dans la recette publique là. Donc, et gouvernement, il y a l'autre moyen qu'il est capable d'utiliser s'il besoin d'augmenter la recette là. Cependant, faut que nous dit tout et Martinez nous apprenne que prix baril pétrole là il est augmenté sur marché international là, il était à $58 en octobre 2017, nous quoi il est à près de $70 là si me pas trompé. Et récemment le gouvernement a pris la décision pour augmenter essence là, augmenter gaz là. Nous quoi un protocole d'accord qui était signé entre gouvernement avec association syndicat de transport, pour y être ajusté et prix gaz là pour mettre ton bagage sur lui à chaque arrivage. Marron tout rappelle aussi. Oui, moi bien ça. M'pas quoi ça t'est respecté. Yo t'ai voulu augmenter, yo t'ai voulu mettre on bagage sur prix gaz là à chaque arrivage jusqu'à ce que y arrive et au niveau côté que les prix a monté sur marché international là, eh bien il a monté le tout, il est descendu, il a descendu, mais ça qui pas de fait parce que contexte politique là contexte politique là pas de permettre mesure faire ça. Maintenant, est-ce que le contexte a changé, est-ce que le contexte a évolué, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Pas grand-chose, parce que nous a expliqué là situation mounio living pi mal. Ouais, mounio yo toujours dans grand goût, si ne pas dire vinn gen plus moun ki dans grand goût. Donc contexte là, situation sociale moun yo, situation économique moun yo pas changé. Ouais, donc n'importe capable dit question augmentation Gaza ou ka dit son bombe à retardement que gouvernement gen bouton en amène, ni ka décider pour les accélérer ou bien pour le camper. Alors contexte en tout gen fann konnen ou gen moins l'argent k'ap circuler, l'aime dit moins l'argent k'ap circuler dans l'économie, ça dit que l'argent k'ap circuler, l'argent joine moun yo, l'argent jeune entreprise yo, et lui permettre que au moins gagner accès au partage de richesse qui fait que à niveau ça, et moins gagner opportunité parler avec un pile d'entrepreneurs je dis qui est en difficulté pour me dire en faillite. Et par exemple ma pour un secteur médiatique, ma pour un secteur de l'audiovisuel, son secteur qui en difficulté. Si ma prend ce secteur de visuel là, c'est-à-dire monde qui n'a fait billboard, monde qui n'a fait branding sous fond tout de Port-au-Prince, soit pour en plus structure qui là qui campé mais qui vide, ouais. Pour qui ça au vide parce que entreprise yo pas fait publicité, parce que entreprise yo pas joindre assez moyen pour faire publicité. Donc il y a moins l'argent qui a circulé. Donc et là niveau ça, il y a moins investissement fait et dans secteur yo qui fait que je dis à les entreprises je dis à décider de faire publicité, parfois elle fait publicité au compte-goutte, tu pas fait publicité pendant un mois. Ouais. Par exemple, média yo généralement je dis à capable témoigner ça, yo souffrir de ça, il y a des clients que tu gagné, clients font publicité avec lui pendant 3 mois ou soit pendant 1 mois, maintenant pour renouveler un petit peu abgarder, oui. Atmosphère abgarder réalité, l'ap chercher opportunité. Donc moi que je dis à là, il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme à nouveau, puisque et tout secteur je dis à sentir, et je dis à si population, si masse là pas gagne l'argent même, ou même qui entrepreneur ou pas jouer une opportunité, c'est parce que soit vendre des produits de masse ou soit chercher des opportunités à venir en fonction de l'argent que l'empoche mon yo. Je dis à soit vendre souliers, mais ou pas arriver vendre plus souliers, si tu connais vendre par exemple 50 souliers par jour par exemple, si mon yo vigne plus l'argent en main, si fois il y a plus l'argent en main, donc là ça ou gagne opportunité vendre plus souliers et ou joindre plus opportunités. Donc entrepreneur, investisseur, il gagne intérêt à ce que l'argent lui-même lui circule dans l'économie. Il gagne intérêt à ce que citoyen, il gagne comme dans proche, parce que c'est plus profit, c'est plus vente la fait. Tout à fait. Je crois que le pose est arrivé, nous allons observer pose là, et rapidement, là, nous tournons à parler de grève qui était faite dans l'OABCT, nous avons visite Jovenel Moïse Taïwan, nous avons disparition Mère Lester. Là. Donc tout ça, et puis pas oublier à 9h45, tout, nous avons bien éditorial avec Marcel Joseph. Signal 90 degrés.
90.5, Signal FM. Depuis Kounia, passé fête d'aimer, fête d'épais, rive jouk dans mondial football, BNC a plagué un spécial financement pour machine neuf, relé ça, opération FEF, financement fourni jusqu'à 100%. 100%. Machine nous t'a prévé à Kounia, on t'a oublé, BNC, avec BNC, avec BNC, avec un bon format, une fête en format. Sur votre véhicule est remboursable sur 48 mois avec des taux d'intérêt imbattables. Financement disponible pour les entreprises et pour les particuliers jusqu'à 100%. Opération FEF, financement fourni jusqu'à 100%. 100%. Une exclusivité. BNC. Termes et conditions applicables. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Electro vient d'emménager dans un nouveau bâtiment au numéro 22 de la rue Clairvaux à Pétionville. Top Electro, spécialiste de la maintenance électronique, installation, réparation et dépannage d'appareils électroniques et informatiques, s'installe dans un local flambant neuf et nettement plus spacieux pour proposer une gamme plus élargie à ses clients. Nous serons fiers de vous accueillir à notre magasin et notre équipe d'experts se fait une joie de vous orienter dans vos achats. Top Electro reste à la fine pointe de la technologie afin de vous garantir des produits de haute performance. Adresse 22 rue Clairvaux-Pétionville. Téléphone 33 16 33 33 28 16 57 40. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. Parole créole. Première émission sous littératie créole haïtienne. C'est au espace, côté nous pral tantot, brasser l'idée sous littératie créole haïtienne. Bonjour, éditeur, bonjour le monde. Tout le monde qui travaille sous littératie créole là en Haïti. Parole créole. Yon signal sous littératie créole Haïti à chaque dimanche, 8h30, 9h matin, reprise, samedi, 1h30, 2h après-midi, sous Radio Signal 90.5 FM Stéréo avec Annie Vance Jean-Baptiste. Signal FM. Signal 90 degrés. Signal 90 degrés, nous connaissons un signal 90 degrés, c'est chaque jour sur antenne signal 90.5, émission ça, on vient au cacouté le tout à travers Audio Now, plateforme intelligente, au cacouté le sous 641-552-50-73, on a profité pour nous saluer toutes les amis qui a coûté nous New York, toutes les amis qui a coûté nous Miami, on a salué Alan Nelson, super branché, Michel ça qui n'en travaille lié, qui a coûté New Jersey, on a salué notre ami Guy Azor, qui a coûté nous Manhattan.
Alors, une affaire actualité, depuis week-end, c'est la disparition du maire principal de la commune de Lester, la personne de Sénèque Estimable. Donc, on est qui était entré pour au prince, qui était venu avec l'eau à faire chèque, et puis qui était en compagnie de assesseur, et depuis vendredi, il est entré pour au prince, et jusqu'à présent, au moment où on a parlé à la, il est disparu. Il y a une fédération des maires, il y a à travers le maire de Carrefour, Jules Edouard, qui est président de la fédération FENAM, qui lançait un SOS par les autorités compétentes pour être capable de retrouver un dit vivant. Ce maire qui est disparu, monsieur Dalfon transaction. Bon, alors là, maintenant, dans dimanche, il y a fait, il y a eu un stade, il va regarder si monsieur Teguetan changeait chèque ça. Donc, qui suite, qui est capable de bailler. Donc, moi, que le niveau ça, son bail qui est vraiment déplorable. Dans le contexte, nous connaissons que Guéhoun, un maire, dans le port de paix, qui est en difficulté, qui est en cavale, et puis là, après la mort, du maire principal la palais de Vergniaud, que nous connaissons très bien, qui trouvait la molle vraiment tragique la semaine dernière. Nous connaissons cadavre jusqu'à présent. Il est la morgue et funérailles a supposé annoncer l'enjeu qui a venu là. Et dans la disparition et maire Lester Martinez, on apprend tout que gain population ou bien gain plusieurs monde dans zone Lester qui t'a manifesté et qui t'a fait des dégâts côté que on t'a crasé vite dans tribunal qui Lester là et qui était l'autre bureau public qui t'a saccagé tout juste pour demander des CPJ pour la responsabilité dans quatre dossiers ça côté que maire Lester là il disparaît. Pourquoi c'est depuis mercredi 23 mai depuis semaine dernière monsieur disparaît et dans cas ça qu'est-ce que j'en dis là c'est garder si chèque là t'es gêté changé ou bien c'est t'es gêté prendre tout ouais d'abord garder si le gêté prendre et si le gêté changer et à qui dernier monde n'était parlé tout ça comment ça qu'est là dernier côté de quitter à qui est-ce parlé et garder appel téléphonique on pense que moyen pour retracer ça donc genre de enquête ça eux on pensait que DCPJ depuis au jeune collaboration de institutions nécessaires tant que compagnie téléphonique mobile la banque on pensait gain résultat qui ca joindre Martinez d'attendre Maïska il est vrai que m'a passé faire contact avec là Maïska Edouard qui est un petit peu difficile probablement ni en réunion même t'as essayé de joindre ou plus ou moins donc on a qui niveau des marchés qui information que gain est-ce que gain des informations concernant disparition qu'a dit enlèvement éventuel de maire Lassara qui est très populaire dans zone Lester et peut-être après pause là nous qu'a continuer alors après éditorial là nous qu'a continuer faire contact avec magistrat Jude Edouard pour nous qu'a joindre plus éléments d'information dans quatre dossiers Saint Martinez et Marcel Joseph qui est déjà là pour éditorial là. Oui, Marcel qui est déjà là pour éditorial là, il fait présentement 9h44 minutes. Dans une minute, Marcel, je ne sais pas s'il est prêt, mais nous t'es censé vraiment encourager par l'appel du maire de Carrefour qui m'a dit population Lester rester au calme parce que nous pas quoi que c'est l'encrasé tribunal c'est l'encrasé institution c'est l'encrasé des bâtiments publics que déjà nous pas gain l'argent pour nous reconstruire que nous ca résoudre un problème donc en automne peut-être dans les prochaines heures qu'a venir là donc nous capable gain des informations supplémentaires par rapport à cas estimable qui portait disparu. Donc, arrêtez brancher signal, au moins, plus ou moins, nous capables de connaître ce qui s'est passé dans quatre dossiers. On va recevoir, bien sûr, collaborateur nous, Marcel Joseph, qui va présenter nous éditorial li, Vérité sous tambour. Éditorial Vérité sous tambour. Une vérité qui permet de nous comprendre. Une vérité qui permet de nous apprécier. Une vérité qui dit faut que nous avançons ensemble sur route changement. Éditorial Vérité sous tambour, chaque jour dans l'ESA, sur Signal FM 90.5 avec Marcel Joseph. Récemment, t'as écouté avec un pile intérêt un intervenant qui t'a dit que Haïti pas un pays pauvre.
L'aime t'a coûté, capable dit nous que m'était déchiré entre des chiffres et des indices, bien sûr, mais aussi sérénité, monsieur, charisme. Donc tout bas ça a été déchiré mon pile. Par la suite, conformément à l'esprit de Nietzsche, qui disait que celui qui ne dispose pas de deux tiers de sa journée pour lui-même est un esclave, qu'il soit d'ailleurs ce qu'il veut, politique, marchand, fonctionnaire, érudit. Alors, moi prends un recul pendant une journée, et c'est alors que mon bonne interrogation qui vient en tête, moi, puis très pertinente, il y en a après l'autre. Puis tout d'abord, il y en a une première interrogation, c'était de dire, mais qui sa pauvreté a yé? Les malgadés dans le dictionnaire, plusieurs dictionnaires que m'étais contacté, que m'étais consulté, moi je vois que c'est état de yon moun qui pas gagné ressources, ou bien qui gagne très peu de ressources, et aussi qui pas gagné moyens. Donc en français, c'est l'état d'une personne disposant de peu de ressources et qui manque de moyens. J'ai besoin d'aller plus loin dans la recherche moins sur la pauvreté, mal consulté, documents de grandes institutions qui sont très impliquées. Premièrement, dans une belle étude que j'ai réalisée sur la lutte contre la pauvreté, mais aussi sur des propositions de solutions. Il s'agit de PNUD, donc Programme des Nations Unies pour le Développement, et la Banque mondiale. Alors, nous capables d'imaginer que nous avons gagné un pile document pour nous déconsulter parce que ça fait longtemps que nous avons des écrits que PNUD et Banque mondiale a fait. De manière rapide, nous capables de dire que tous les deux organisations, ça y est, ont une compréhension de pauvreté qui est différente. Cependant, ils ont toutes les deux, et d'autres organisations, tout, ils ont d'accord que pauvreté est un phénomène qui est complexe et qui est pluridimensionnel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facettes, plusieurs dimensions, et ou pas capable de réduire uniquement à en question l'argent. Ça veut dire en question monétaire. Nous capables de constater que depuis quelque temps, tous les discours en Haïti, c'est autour de l'argent. Alors, donc vous me voyez venir, comme disait l'autre, si vous suivez mon regard. Alors, ça veut dire que limiter pauvreté à uniquement une question de insuffisance de ressources, comme dit là, ressources économiques pour vivre de façon décente, c'est pas suffisant. Et à ce sujet, PNUD déclarait que pauvreté a son phénomène pluridimensionnel, donc il n'est pas unidimensionnel. Donc, Souta dit que c'est uniquement un manque de revenus. Eh bien, c'est pas suffisant. Et ou pas capable de prendre uniquement de façon sectorielle. Ça veut dire qu'on peut prendre un secteur pour résoudre le problème. Non. Son problème de plusieurs dimensions et qui nécessitait, pour qu'on joue une solution, qu'on mettait un pile secteur ensemble et ou intégrer. Par contre, si je prends un exemple de spaghetti avec vous, ça veut dire qu'il faut que vous gagnez plusieurs secteurs intégrés. Et, ça c'est PNUD, la Banque mondiale lui-même l'a affirmé, on a même sens là tout, que son problème à dimension multiple, qui gagne plusieurs facettes là-dedans, et résultat, il faut qu'on ait un processus économique avec des politiques sociales qu'on mette yo ensemble et puis après réagit entre eux-mêmes. Et le ça va priver joindre solution de problèmes indigence qui gagne dans la société. Qui fait que on va joindre un pile monde qui vit dans la pauvreté. Donc, nous censés, à partir de ça, nous disons là, que nous, ouais, t'es mieux capable d'indigence différent, mais c'est même solution que deux organisations, ça yo, proposées. Dans un rapport que PNUD est sorti en 2000, rapport satirélé, vaincre la pauvreté. PNUD allait plus loin encore. Il définit pauvreté à partir de trois ordres. Il dit, ça aurait les l'extrême pauvreté, et il parlait aussi de pauvreté générale, et il parlait de pauvreté humaine.
Alors, yon moun kap viv nan ekstrem pauvreté, son moun ki pa genye revenu nesesèr pou l kapab satisfè bezwen alimantèr yo esansyèl yo. Par ekzanp, sa nou ta kapab rele, jis le peu pou ko kapab manje pou kapab genye de kalori, pou kapab genye de minero nan ou menm. Sa vle di ou deja wè son moun kap viv nan ekstrem pauvreté. Gon epok nou te gade, nou te konse de moun ki tap manje te nan peyi d'Ayiti. Yon moun kap viv en pauvreté générale, son moun ki peut-être capable gen moyen pour le manger, plus ou moins, même si c'est, mais son moun ki pa gagne un revenu qui permet li capable satisfaire ses deux besoins essentiels. Ça veut dire manger plus ou moins. OK? Et son moun ki pa capable habiller. Son moun ki capable gen problème énergie dans logement, mais li plus ou moins capable manger. Et pauvreté humaine, non? Nous rappelons, semaine dernière, l'aime t'a parlé de problèmes pauvreté, on t'a pris des exemples de IDH. Eh ben, pauvreté humaine, non, l'alchita, non, problème d'analphabétisme, problème de malnutrition, problème de longévité. Ça veut dire que nous prenons parler de mauvaise santé maternelle, donc c'est une maladie que société a vive. Alors, nous rappelons que t'es gagnons t'es banon l'exemple, la semaine dernière, de Amartya Sen. C'est lui-même, dans les années 90, que PNUD, avec d'autres économistes, t'es fait que t'es réalisé, question IDH là, ça veut dire indice de développement humain. Et là, nous parler de indice de développement humain de façon précise, les chita sous trois possibilités essentielles. Ça veut dire vivre longtemps, vivre en bonne santé, et puis acquérir des connaissances et un savoir pour capable accéder à des ressources nécessaires pour qu'on puisse vivre de façon décente. Donc c'est ça, n'a pas les de indice de développement humain. Et c'est PNUD qui finit avec ça. Donc, l'homme vive dans société, rappelez-nous, n'a pas les de pauvreté, l'homme vive dans société, les pas gagner opportunité pour individu, hein. Les pas gagner perspective fondamentale sous ça que individu à chita, ça veut dire développement chita, là, ou qu'on problème de pauvreté. Les par exemple tout individu à durée de vie limitée dans la société a pour plusieurs raisons. Ça veut dire on est qui doit à 40 ans mon ap mouri, à 50 ans mon ap mouri, à 60 ans mon ap mouri de façon incontrôlée, société a pas à contrôler, là où vous avez un problème de durée de vie dans la société, hein, là où entrer dans l'indice de développement humain, on peut aussi parler de pauvreté. Mais aussi, tout à l'heure, nous attendons collègues qui ont parlé, on vit dans la société, côté la décence. On rend compte que, est-ce que n'a pas parlé de vivre de manière décente dans la société? Non, malheureusement. Eh ben, on peut parler aussi de la liberté, de la dignité, le respect de soi-même et d'autrui. Donc tout ça rentre dans la dynamique de pauvreté selon définition que PNUD banon. Et là, nous rentrons d'emblée dans le travail que Amartya Sen a réalisé. En ce qui a trait à la Banque mondiale, il distinguait deux sortes de pauvreté. Il parlait de pauvreté absolue et il parlait de pauvreté relative. On est capable de trouver ça un peu simpliste. Ma banon définition rapidement. Ça veut dire que un monde qui est en situation de pauvreté, par exemple absolue, son monde qui n'a difficulté pour assurer survie, ça veut dire pas qu'on revenu nécessaire pour assurer survie et famille. OK? Donc ça veut dire que nous parlons problème alimentaire de base selon la Banque mondiale. Et là nous parlons de pauvreté relative là. Donc son conception qui est axée généralement sur la répartition des revenus. Nous sentis que m'a venir vers nous-mêmes. Donc les signifie que par exemple on vit dans une société côté dans même quartier on vient de monde qui a capacité pour qu'ils vivent de façon normale, mais pendant ce temps on regarder sur même quartier, il y a des monde qui retrouvent pas rien pour vivre du tout. Ça veut dire vivre dans l'extrême nécessité. Ça veut dire Mounio n'est pas capable de posséder même l'essentiel pour survivre. Donc, en ce sens, nous voyons que deux définitions que nous sommes bas de pauvreté, de Banque mondiale et de PNUD, nous sentis, nous capables déjà par un côté là, par rapport à Jean-Noël et quartier nous avons évolué, par rapport à Jean-Noël, c'est de mon avis évolué, nous déjà senti situation d'Haïti. Alors, faut que nous disions qu'on interrelation entre différentes facettes de pauvreté selon Banque mondiale. Et il y approfondit. Par exemple, où est-ce que ça a relé
juste pour aller un peu plus loin. Par exemple, bon, certaines complexités par rapport au fait que au monde qui vit dans la pauvreté, on a des carences au niveau de la santé selon la Banque mondiale. Ce sont l'éducation, on parle de vulnérabilité, on parle d'incertitude. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'on va vivre dans une société quand on ne compte comment demain à pied. Il y a ce qu'on appelle aussi le manque de parole. Ça aurait lieu en anglais, voicelessness. Donc, ça veut dire que la pauvreté, à partir du moment où on a une situation d'incapacité pour que l'exprimer, c'est une forme de pauvreté que liée. Mais il y a aussi le manque de pouvoir, powerlessness, selon la Banque mondiale. Donc, est-ce que nous, dans toute cette dino-là, que la pauvreté n'est pas limitée uniquement à manquer de l'argent. Donc, aujourd'hui, nous avons une société haïtienne côté nous pas un cob. Ou bien, je ne peux pas dire nous pas un cob. Nous parlerons plus tard que l'emphine patauge dans la pop nude et puis Banque mondiale et beaucoup trop d'autres documents que nous télés. J'en viens à la conclusion que Haïti, comme a dit l'intervenant, n'est pas un pays pauvre. Et nous pas de jambes pauvres. Mais par contre, nous avons un problème sérieux de leadership. Vous avez vu que tantôt, Banque mondiale parle de presque même de répartition même de richesses. Donc depuis quelques années, on regarde les sphères politiques haïtiennes, elles sont occupées par des personnalités politiques obscures. On sait de nez qui ont une vision limitée uniquement à intérêt familiaux, groupio, ou bien militants, monde qui n'a même pas de politique avec eux. Alors, pour moi-même, ce sont des petits hommes. Parce que tout le monde qui a un intérêt uniquement limité à ces groupes, ni par de façon large, c'est même pas de la politique. Nous parlerons plus tard, la définition de la politique, nous parlerons. Donc, les sérieux, ils pensaient que gérer un pays, c'est une plaisanterie. Donc, la gestion du pays se limite à s'amuser, voyager, et puis sentir avec une belle maison et des voitures. Alors, si ça c'est pas petit, c'est quoi alors? Dans toute lecture que me fait, par exemple, la revue indépendante, moi, je lis que la politique, pour un série de monde, sont sciences mystérieuses, que yo t'as supposé même en banni entrer la donne dans ces deux mondes vulgaires. Ça veut dire, l'homme dit vulgaire, pas dans le sens de parler, non. C'est dans le sens de l'incapacité de réflexion. L'individu terre à terre. Mais d'autres mondes, par exemple, qui réclamaient de disciples d'Aristote, allaient dans l'autre logique. Là, nous avons une définition de la politique. Parce que nous sommes dit, nous, et nous pourrons le prouver, nous, que question de pauvreté en Haïti, son problème de politique lié. Alors, Aristote, monsieur, dit que la politique est l'art de construire une cité. Et de la diriger. Donc, cité A, les composé d'un ensemble d'intérêts et que le politicien ou le président de la République, les hommes politiques ont pour devoir de mettre en commun ces intérêts-là, de manière à ce que toute cité A capable de bénéficier là-dedans. Alors, pas gagner de mystérieux ni d'obscurité dans la gestion du pays. Donc, nous d'accord ensemble avec moi, à partir de l'analyse que nous sommes fait là, que le problème d'Haïti est résumé à une question d'absence de politique. Alors, l'on peut expliquer que le pays d'Haïti est pauvre, moi, Mabdou, certes, nous sommes capables de donner des chiffres, des indices qui montraient que son pays est pauvre. Mais si nous avons des politiques adaptées, nous pourrons que facilement résoudre le problème et problème pauvreté. Hein. Alors, est-ce que les Haïtiens, je dis, sont capables de prendre le temps de s'asseoir, de travailler tranquillement et avec recul et abnégation pour nous capables de mettre sous pied des politiques publiques et les appliquer de manière désintéressée sur question de Bozen. Non, pratiquement. Mais il est possible parce que nous sommes des humains. Alors, posez-vous la question. Comment nous capables de répartir richesse pays sans une politique préalablement écrite et pensée? Sous remonter à l'histoire des États-Unis, de la France, on va prendre compte que yo t'es dans la même situation que nous t'es là, mais à un moment donné, yo chita, yo dit ça ne peut pas continuer comme ça. Bon film que me remet en pile gardé avec Leonardo DiCaprio, qui s'appelle Gang of New York. On va pouvoir état société athée, mais à un moment donné, faut qu'on chita comme individu
pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Haïti, c'est le pays le plus égalitaire pratiquement au monde. Alors, ce n'est pas un problème de pauvreté. C'est plutôt un problème de leadership. C'est un problème d'homme. C'est un problème de politique, de cadre réglementaire pour résoudre question financement électoral. Là. Parce que ce n'est pas normal qu'on ait dit mouté financer campagne électorale en président et puis pour attendre que vous videz qu'est-ce pays à bas où. Qu'on attendre que vous quittez contrôler le pouvoir à jongler. Ou décider carrément faut qu'on gagne tout contrat en amont. Eh bien, c'est justement parce que nous ne respectons pas les politiques de marché public. N'a fait appel d'offres bidons et puis nous fait des contrats gré à gré juste pour que nous capables permettre que nous payions dette électorale, nous. C'est inadmissible. Comment on voulait résoudre le problème de cadastre dans un pays qui a rongé société depuis des années sans une politique? Mais la politique, il faut s'asseoir pour le faire. Comment nous rendre compétitifs sur le marché de l'éducation sans une politique? Comment nous capables de résoudre le problème de sécurité territoriale, problème de sûreté sans une politique? Comment nous capables d'une agriculture concurrentielle face au marché mondial? Comment nous capables de gérer question envahissement produits dominicains au Lacaïnou, résoudre le problème de sécurité alimentaire sans une politique appropriée et pensée? Ça nous prend des gens sérieux, des hommes de poigne, des gens qui ont une vision au pouvoir. Parce que toutes sortes les faits dans le pays, faut qu'on ait politique pour ça. Le président est parti avec une délégation à Taïwan. Est-ce que c'est ton voyage qui t'est planifié? Ou est-ce que ça s'inscrit tout simplement dans le mouvement politique ça que nous voyons depuis quelques temps qui occupait Esprit Moon, question que la République Dominicaine a choisi la Grande Chine plutôt que Taïwan? Est-ce que c'est ça qui poussait président à aller Taïwan maintenant? Demain, si Dieu veut, m'abvina avec un éditorial pour nous chita parler de ça. Honnêtement, chers amis, si c'est dans la mouvance, dans le mouvement politique ça qui suscite voyage président Taïwan, je vais vous dire une chose, croyez-moi. On n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Nous pour couper pour nous ouais, le bout du tunnel. Si c'est ça. Parce que là où est la Chine décide de rentrer en République Dominicaine, c'est pas du jour au lendemain, non. Ça fait longtemps qu'il a pensé ça. Et ça a rentré dans un cadre dans politique bien défini. Alors si vous-même, vous pensez n'importe petit bruit, ou décidez de courir à droite, courir à gauche, et pour pas même calculer qui genre de choix que vous avez fait. Mon cher, nous fait commencer dans trou. Merci. Éditorial Vérité sous tambour. Une vérité qui permet de nous comprendre. Une vérité qui permet de nous apprécier. Une vérité qui dit faut que nous avancer ensemble sur la route de changement. Éditorial Vérité sous tambour. Chaque jour dans l'ESA sur Signal FM 90.5 avec Marcel Joseph. 90.5 Signal. Fête des mains existe dans tout pays. En Haïti, il est tombé dernier dimanche mois mai. Est-ce que ça veut dire maman pas mérité plus passer un seul jour dans l'année? Yon moun qui fait tant de qualité sacrifice pour petite li et puis yon seul jour non bali? Non, c'est pas ça ça veut dire. Nous prenons un jour pour nous dire merci. Merci pour affection, merci pour compréhension. Et s'il n'est pas vivant encore, pour nous songer li, pour nous dire j'en regrette li. Jou ça, si vous avez chance, maman ou avoir toujours, pote fleur avec cadeau pour li. Mais si tout pas oublié dit, ou pas petit li pour une journée seulement, mais pour tout reste vie. Unibank profite occasion ça pour faire toute maman à toute petite songe et invitation par là. C'est même côté de brale, on fait out là ensemble. Qu'on connaît l'activité en plein internet illimité pour un mois, en plus vitesse rapide avec internet illimité,
wap bénéficie yon paquet yon TV gratis pou ka gade télévision sou téléphone ou pendant 30 jours. Fè étoile 134 dièse pour enregistrer plan pour la kounya même et pas oublier à télécharger application Yo TV a sur App Store ou bien Google Play Store. Nakam, the fastest mobile network in Haiti. Ou son maman riche, ou son maman qui pa gen en pile l'argent, mais ou gen droit au luxe. Mais Valerio Canes comme ça depuis dix d'antan il toujours à borabe chaque mois, c'est pas sans raison. Eh ben l'année ça pour fête des mères, bon regardez non ça gagne net mais sacré les piaille grâce à maman, pas vrai messieurs yo ti wash goûter graisse. Oui, parce que sou gon bagaille ou t'es besoin acheter pour la caillou, profiter de fête des mères, acheter pour t'ai ba maman ou pour t'ai ba madame ou ou kon ki sa wap chache depuis longtemps, pa wè? Sa y est, on chambre, on salon, sa y est, on sa, pi ay la, la nan kanez, profite de fête des mères, parce que ou gen doit pour vivre dans le luxe, quel que soit quantité l'argent que ou gen hein. C'est sel nan valeur yo kanez y kon sa, donc profite de pi ay sa, la fini pour fête des mères, profite mdou, c'est des jours nap vive, eh ben, vive dans le luxe, vive nan kè content, vive bien, tout garçon. À profiter, mettez voyou à Valérie Canez pour lui dire toute maman bonne fête des mères 2018. Nous méritez ça. Je ne peux t'oublier, maman, pour tout ce que tu as fait pour moi. Clairvaux à Pétionville, top électro, spécialiste de la maintenance électronique, installation, réparation et dépannage d'appareils électroniques et informatiques, s'installe dans un local flambant neuf et nettement plus spacieux pour proposer une gamme plus élargie à ses clients. Nous serons fiers de vous accueillir à notre magasin et notre équipe d'experts se fait une joie de vous orienter dans vos achats. Top électro reste à la fine pointe de la technologie afin de vous garantir des produits de haute performance. Adresse 22 rue Clairvaux Pétionville, téléphone 33 16 33 33 28 16 57 40. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. Fin visiter l'autre neuf département, yo, la Vierge Pèlerine Notre-Dame Fatima, rive dans la capitale pays d'Haïti. Port-au-Prince, même moment. Comité Caravane Mariala a invité tout pèlerin rassemblé pour le marché avec Maman Fatima dans une neuvaine bénédiction. Sorti 4 pour arriver 12 octobre. Dans Fatima Bicentenaire avec Peigné, Saint-Pierre, Montcamel Cabaret, Altagrasse Cafou, Saint-Louis de France, Sainte-Anne, Sainte-Croix-Croix des Missions et puis Altagrasse Delma. C'est 9 jours pèlerinage pour toute petite maman. Vine la prière pour femme. Mio. Reste avec nous. Pour 13 octobre, là, après nous finir réciter chapelet, faire louange Maria dans la cathédrale Port-au-Prince, nous prenons célébrer la messe pour nous capables de clôturer caravane. Pas oublier, non? C'est jour 13 octobre, ça même, qu'a fait 100 ans depuis maman te fait soleil à danser dans Fatima. Dernier caravane mariale, ça, dans Port-au-Prince, c'est bénédiction pour toute famille dans le pays d'Haïti. Haïti, même au la passe. Pour la promotion de vos produits, pour la promotion de vos services, contactez dès maintenant le service marketing de Signal FM. 28 17 05 51, 28 17 05 50, 31 98 65 58, 305 407 21 19. Email marketing@signalfmhaiti.com, groupe Signal Marketing à commercial gmail.com. Signal FM. Signal FM Direct. Économie.
Signal 90 degrés, nous retournons après pause là et avant pause là, nous d'attendre l'éditorial Marcel là, n'a dit bravo à Marcel qui présentait nous à nouveau matin là un bel éditorial. Et Marcel qui met à la fois question pauvreté, dilemme pauvreté et développement. Et nous bien aimer, j'en mets en question, regarder peut-être un petit peu de manière simpliste, genre au fond définition sous affaire pauvreté A, et puis un petit peu au fond coup de G par rapport à approche de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international sous question pauvreté. Et nous-mêmes, ça nous qu'à comprendre, ça nous qu'à tirer, ça nous qu'à analyser tout, nous sommes capables de dire que tout côté nous joignent pauvreté. C'est nous d'accord avec vous, c'est pas la question de l'argent. D'abord, c'est capacité. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai organisé. Et il y a des experts, peut-être, qui travaillent avec nous. Je dis ça, moi-même, je suis journaliste qui est dans la question de développement, qui ouais, bah, là de manière triangulaire. Son élément triangulaire, je dis triangulaire là. Nous, ouais, d'abord, là, on a parlé de pauvreté, ou on a parlé de dans l'État, dans ville, ou soit dans commune, dans cité. Nous est l'État d'abord, nous est l'État, et après l'État, nous est le secteur privé qui est là pour créer des opportunités, pour créer des emplois à l'intérieur de communautés. Et puis finalement, nous est la société civile, nous est les organisations de base. Donc, quelle que soit société jodia là, traditionnelle ou contemporaine jodia, moderne, qu'on a parlé là, trois éléments triangulaires ça toujours là. Si toi ça va pas faire ensemble, si on pas travailler ensemble, mais société ça son société qui est appelée à condamner à vivre dans la pauvreté et la plus abjecte. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes d'énergie, des problèmes d'accès à l'eau, lorsqu'il y a des problèmes d'environnement, des problèmes d'éducation, d'agriculture, si toi entité ça ou pas mettez ensemble, mettez vous d'accord, c'est ça que fait jodia ou on société tant que société américaine. Où à la fois l'État est présent, mais en même temps tout, où est des ONG, où est des éléments de l'établissement, mettent ensemble pour dire, ben écoutez, mais comment on a résolu le problème là? Donc, c'est un gros problème d'économie là, je dis à l'établissement américain a campé ensemble avec l'État pour dire, ben comment on a résolu ça, et en même temps tout, où est une implication de l'élément de la société civile dans ça, Nabdia. Et là, nous parlons de société civile, là, Martinez, nous pensons que le conseil d'institution clé et phare, faut que nous citions, donc la presse, oui, les universités. Tout à fait. Ça veut dire que ce sont des secteurs incontournables pour le développement en société. Tout à fait. Alors, pour m'élaborer dans le niveau ça, et pour m'amener un exemple un petit peu simpliste, je dis, je n'ai pas posé problème Matisse, n'a pas posé problème Gravine, ou pas qu'à résoudre problème ça, yo, ou que nous avons 100 milliards de dollars dans le monde, ou pas qu'à résoudre problème dans la vie. Tout autant que niveau d'éducation, moun yo, niveau conscience, yo, conscience citoyenne, yo, pour qu'Allemagne yo là, que vous faites reconnaître ces citoyens qui sont appelés à vivre ensemble au niveau de collectivité, tout autant que dans la communauté ça, ou pas qu'à rien, ça veut dire au minimum de cohésion sociale, ou pas qu'à faire rien avec la communauté. Oui. Donc tout développement communauté, lié pour moi-même, et des facteurs pour de pauvreté à l'île en question mentale. L'île en question de, j'en ai parlé là, de cohésion sociale. Jodi à là, nous t'as pas analysé, nous dit que depuis ces 20-30 dernières années, grand pile l'argent y a investi en Haïti. Et l'argent international en particulier. Nous, par exemple, après tant de temps là, il y a plus que 11 milliards de dollars qui dépensés. Et même avant ça, tout, il y a l'argent qui est dépensé. Et chaque année, en moyenne, la communauté internationale, là, si je ne me trompe pas, il y presque 4 à 5 milliards et même plus. Si je reprends le chiffre président public, il y a presque 10 milliards de dollars. Donc, il n'y a pas de développement. Je crois que je dis, c'est ça que fait peut-être société à reconnaître, je dis société ça là, et même politique à reconnaître, que faut qu'on mise en commun qui fait, faut qu'on cadrage qui fait. Et cadre à ça va permettre de dire, je dis à qui choix pour nous faire, pour nous faire partager richesse là, parce que tout le monde conscient que richesse pays a, il partage un petit groupe, peut-être 2%, 3% de monde dans le pays. Et il y a un cob dans le pays. Il y a un cob dans le pays. Oui. Donc, il y a un cob dans le pays, et où est que son société a deux vitesses, où c'est deux Haïti qui a fonctionné. Et côté que un fossé qui est vraiment énorme, où on a, je dis à là, il est facile peut-être lâche ton machine qui coûte 200 000 dollars, 250 000.
problème du CADAS, par exemple. L'État, d'ailleurs, a décidé avec le secteur privé, a dit, monsieur, comment on a pris le problème du CADAS, là? Le problème de l'investissement en Haïti, on a pris le problème de l'investissement. Ça veut dire que nous, on a plein là, pas gain croissance économique, le secteur privé, la semaine, ça, là, tout a plein tout. Et, ou est question crédit, à, peut-être, mon avocat, nous t'ai fait parler de ça, système bancaire, là, toute difficulté de gain, surtout ce système, difficulté dans la question accès à crédit, nous, ouais. Durant ces 20, 30 dernières années, nous avons crédit à l'ivarier de, si nous sommes capables de prendre, deux. Et nous avons bonnes conditions que mettez pour mon gars accès à crédit, des conditions draconiennes, extrêmement difficiles, pour, je dis à se décider de faire un start-up en business, pour aller dans un système de crédit, un système bancaire au moins de crédit. T'as l'air de dire, ah, faut venir à Marcel comme un valiseur, et on bande pas brasse, alors qu'on a l'idée, ou qu'on projet, et qu'on plus jeune. Jusqu'à ce que vous voulez idéalement. Jusqu'à ce que vous voulez idéalement. Alors, pour moi, tout même, dit que, moins d'accord à 100% avec vous, je dis à la nappe dans une situation de pauvreté extrême, c'est par le fait que, au plus haut niveau, nous-mêmes qui constituons tête nous comme élite, nous pas jamais arrivé à entendre nous, 40 ans nous, et ça fait déjà plus de 200 ans, capable de dire, sous des bagages qui sont fondamentales et qui permettent société ça et retirer tête dans sa lière et des problèmes les plus fondamentaux, même la question de chaque jour nous poser ça, la question de l'identité et la question d'information, tout information oui, on parlait tout de prise de conscience qui t'a de prendre notamment bon côté secteur privé à m'a pensé qu'on prise de conscience qu'a prend bon côté secteur privé à, parce que monde qui est dans secteur privé à majorité là d'ailleurs c'est des entrepreneurs, c'est des businessmen et entrepreneurs là c'est profil à chercher. Ouais et toute la situation arrêtée comme ça moi même quoi que c'est des entrepreneurs. Par quoi dans des avantages. Je dis à la Outagan nous a considéré comme un élément externe de l'international ou soit Outagan on dit que Marcel ou son expat et que aucune possibilité jouer on dit 10 milliards ou soit 30 milliards de dollars pour Haïti. Mais en seule condition, faut qu'on travaille avec le secteur privé, faut qu'on travaille avec l'organisation de base, faut qu'on travaille avec l'État et qu'on définit un cadre avec des indicateurs très clairs. Faut qu'on fasse l'hôpital pour qu'on ait accès à l'hôpital, faut qu'on fasse route et faut qu'on fasse par exemple des projets à opportunités économiques. Mon cher, ma honnête avoir, on va faire un exercice extrêmement difficile. Que ce soit avec le secteur privé, que ce soit avec l'État et même organisation Martinez, de base, puis on entend même sous gain Marcel Gomol se même si 200 milliards de dollars dans mon pas capable en développement là si trois secteurs ça pas entendre dire que pays a mais qui côté ne braler moyen c'est une l'argent c'est une mais vision et capacité pour mon entendre sous des bagailles qui cap bon pour la vie qu'il y a question culture qu'il y a question politique là tout. Et qui dit que, écoutez, société, ça a même écouté, mais comment on a fait division de richesse là-dedans? Oui, Marcel Gombeau s'est utilisé, pourquoi c'est pendant la pause là, il parlait de leader, de leadership. Nous avons besoin d'un bon leader. De véritables leaders, parce que nous n'avons pas besoin de leader, donc aujourd'hui, Jovenel Moïse, quand on a élection, côté qu'il y a des mondes dans le secteur privé qui investent un paquet de l'argent dans l'élection Jovenel Moïse, et puis, les rivés sous pouvoir, il n'y a pas tant que eux-mêmes, ils ont rentré l'argent, et Jovenel Moïse, il a eu le choix. Parce que qui veut la fin veut les moyens. Élection coûte quoi? Négla venir l'a investi dans l'élection et puis c'est pas parce qu'il remonte et pas parce qu'on fait ou c'est baron ou c'est frêle ou c'est papal qui fait l'a investi dans l'élection. C'est parce que le dit qu'on est puis devant pour aller tirer l'argent. Et Jovenel Moïse comme ça tout. Donc nous besoin des leaders qui paguent compte à rien à personne n'est arrivé non pour. Non mais pour cela faut qu'on ait un cadre légal. Comme moi dit l'éditorial là, qui pral défini participation négla, financement électoral. Quel cadre légal là, sauf que le pas respecté. Oui, mais pas respecté la loi électorale là. Oui, mais bon, il dit. Ou une faiblesse institutionnelle qui fait ça tout. Ou une faiblesse institutionnelle, par exemple, on prend conseil électoral. D'ailleurs, son problème clair que nous gagnons. Nous avons affaire depuis quelques temps, depuis 87, constitution dit nous, faut que nous avons un conseil électoral permanent. Pour qui raison fait que jusqu'à aujourd'hui, nous toujours dans logique de conseil électoral provisoire. Et à partir du moment où nous avons un conseil électoral provisoire, c'est un compoule qui marie dans pied à mon monde. Ça veut dire qu'on question d'intérêt qui rentre en ligne de compte. Nous avons obligé de faire une bonne gymnastique chaque fois pour qu'un bel en d'institution. Mais s'il connaît le permanent, par exemple, il a nommé le pour un certain temps, il l'a en d'institution, il a une certaine liberté.
il y a une certaine marge de manœuvre que nèg qui n'a conseil électoral provisoire à pas gagné. Donc déjà au gros problème institutionnel. Parce que problème dans les réseaux d'ailleurs, monsieur, nous sommes des humains. Problème institutionnel nous gagne en tout. C'est toujours le leadership ça qui va permettre au renfort. Au son baron sur appel pendant campagne électorale là, il y en a point qui était fait partie de promesses Jovenel Moïse, c'est le renforcement des institutions. Mais il faut que tu sois institutionnel pour que tu renforces les institutions. Bien sûr. Mais c'est une grande anecdote que normalement même moi même prendre des anecdotes. Changer première élection qui était faite dans le PIA, c'était 16 décembre 1990 après élection dans le PIA. Pas de bien fatra ça quand il était fatra dans le président. Nous pas de grand pile camion. Nous pas de grand pile en pile camion, nous pas de gagner. Pas de gagner tout le monde. Nous pas de gagner des bennes en pile point collègue de fatra. Moi même de marcher dans la rue Port-au-Prince pour me dire qui quantité marché pressé que tu gagnes, mobilisation que tu gagnes. Ouais. Donc la question de la participation citoyenne sont éléments qui vraiment fondamental la, non seulement la participation citoyenne mais la conscience citoyenne. Je dis alors on va traverser la République dominicaine ou même en tant que citoyen haïtien, même si ici toi manger quand on lague pour quand on dans la rue, mais débrouiller dans la République dominicaine ou bral on fin manger quand on va regarder à droite à gauche avant la guerre dans la rue, parce que ou je nous ensemble de communautés d'abord arriver dans espace ça ouais un espace qui très populaire ou a bien tendance à dire ah mon cher m'pas la guerre pour quand dans la non. Et sous ta lagueli, citoyen dominicain t'a mangé ou. Je dis à quoi la soie, quoi la San Pedro de Macorís, que quel que soit côté aller dans la République dominicaine, mon frère, je t'assure, citoyen dominicain connaît que il y a 2 millions, 3 millions, 4 millions de touristes qui ont traversé la Cayli et que il pas accepté que la rentrée, que citoyen étranger a rentré, touriste a rentré, que c'est nos pays sales que la rentrée. Donc, il conscientiser que le connaît que et c'est touriste que la vendre et que touriste sont opportunité que les boulier tout c'est de ça qu'ils vivent. Il fait 1 500 à 2 000 dollars américains par mois dans activité touriste parce que la filière là il est pas d'accord que on ait une salle là que ça fait que on bonne problème on bonne haïtien. Non mais on connaît le problème tout c'est que et c'est ça que fait d'accord avec Wesley elle parlait du problème de leadership. C'est que nous avons un problème dans la société, son problème côté haïtien, pas peur, les occupants pas, c'est puis la baie menti là-dedans. Ça veut dire que gestion question de fatra, qu'on se dit là. Politique touriste. Parce que dans l'éditorial là, nous parlons énormément de faut qu'on politique pour développer un secteur. Si on a une politique, pas qu'à développer un secteur. Ça veut dire même si on a un cob dans le monde, si pas quelle politique, cob la partie. Oui. Cob la partie. Donc ça veut dire problème fatra qu'on vient poser là. C'est vrai qu'on question de participation citoyenne. Ça veut dire que nous sommes en époque, on est en train de la gompo canate, puis on a l'autre monde qui tout ramasse. Oui. Je dis à nèg la gompo figate, li connaît puis on monde va glisser sous lui, li la gueule quand même. L'autre monde n'en la plague, li pas dit rien. Nèg la campé devant, nèg la campé devant la caille ou la pipi devant barrière. Son problème ni on nous pas dans état ça. Mais Martinez, là on prend exemple de 86 là, faut que nous calculer et Wesley se dit là tout. C'est que nous avons un problème démographie dans la société. Hein. Ça c'est mieux. Avec des négos pas réglés de 86 à nos jours, la population haïtienne est augmentée de combien de personnes? Ça veut dire que Jodia, mais suivre monsieur, mais en sortir en politique de questions. 10 000 gouttes. Question déchets. Oui. Moi, m'a suivi monsieur. Taxe 10 000 gouttes. Taxe 10 000 gouttes. Mais m'a suivi monsieur. Moi, m'a dit monsieur, son bar qui est clair, m'a suivi pour moi. Moi, tout le monde commence à réagir, il y a monde qui a parlé. Mais fatra, mon n'a la calia, ça pour le favel. Pour le dormir avec en bas cabane, ça pour le favel. Non, quoi, on parlait de nan avion était sorti, il y a passé mon camion qui a passé pour fatra. Mais qu'on y a un problème et mon qui était juste en l'air dans tête. Oui. Est-ce que camion a pris en l'air ou bien mon qui dans couloir mon qui dans ou pas qu'à résoudre problème qui dans bidonville la première bien ou bien est-ce qu'il y a baillon zone OK côté que yo ka déposer fatra justement aux zone yo fait sauge fatra camion. C'est ça Max. Que monsieur est-ce que nous avons déclaration, est-ce que nous avons politique là? Oui, bien sûr, mais ça, Marcel a posé comme problème dans là. Déjà, l'organisation, l'éclatement des villes. Oui. Ou le problème d'aménagement du territoire, comme on parle de l'éclatement des villes, il y a des côtés camions, pas 40. Il y a des gens qui tournent dans les gola, qui voient les gens. Vous voyez ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous garantir que le maire n'a pas compte combien de monde qui vient à Port-au-Prince. Je ne sais pas. Bah, on est. On sait le côté, le pas qu'on est. Ça veut dire qu'on sait de monde qui habite et non c'est de tout là. Ça, on ne sait pas le faire pas ça. On dit que, ou bral tout ça. On dit que ou bral décaillette. On dit que ou bral est. Bon, il y a plein de côtés. On dit là, et cité choune. M'apprends.
Je me dis, souvlez entre cité choune, beaucoup mon abjeté fatal dans tout couloir. C'est couloir qu'il a. Et je vais vous dire, aujourd'hui, je crois que les scientifiques, ils bannissent, ils ont ça pour nous subir là. Qui ça pour nous subir? Lors où habite Belleville, lors où on a dit ça, Belleville, il y a des gens qui commencent à envahir Belleville. Lors prend jalousie, là, jalousie. Lors prend, pas jalousie, mais mon calvaire, mais jalousie entourée. Lors prend chercher des quartiers, ou des quartiers. Lors prend dans la problématique des quartiers précaires de Port-au-Prince. On dit qui quartier qui pas précaire. On avance. Parce que tout quartier qui plus ou moins organisé, si vous richez, qui était plus ou moins organisé, il y a une vingtaine d'années, une quarantaine d'années, ou joindre une série de petits cailles qui viennent faire à droite, petits cailles qui viennent faire à gauche. Ou un problème d'aménagement du territoire, ou pas contrôler, ou un problème d'aménagement du territoire, gestion de l'espace, et puis ou un autre problème sérieux, c'est que construction anarchique n'est pas contrôlée. Bon, si M. Besoin Baron, exemple de question de Fatram, d'accord avec volonté de l'âme, nettoyer et boîte chaîne. Si ma passe dans boîte chaîne là, moi ouais encore une boîte là-dedans. Mon cher, n'ayez pas besoin de venir pas. Mais écoute, il y a même là encore. Soit le nettoyer, ils aillent démagogie encore. Parce que le retirer, c'est aller, c'est éviter que Fatra vienne la donne. C'est ça. Ouais. Parce que soit le retirer Fatra dans la boîte, mais Fatra toujours venu. Là, c'est empêcher Fatra de venir dans la boîte. Mon cher, n'ayez pas contre ça pour faire. N'ayez pas contre ça pour faire pays, parce que n'ayez pas gagné, n'ayez pas gagné leadership, mais n'ayez pas une capacité tout. Il n'y a pas de capacité, il faut que nous disions. Puis il n'y a pas qu'à arriver dans le point que lui est là, je veux dire, pour qu'on ait une dîme, que c'est qu'on ne soit pas le résoudre le problème. Non. Mais à sortir, l'année de 2000, le lever matin, puis il sortit avec combat. Voyez politique là dans les médias. Moi, je ne vais pas recevoir le même dans le signal FM. Mais oui, Kounia, monsieur, pour nous recentrer le débat, Pablo, on a parlé de questions de développement, pauvreté. Et pourquoi c'est Jay Perry dans la musique, il dit Haïti, toi, riche pour le pauvre. Et l'on regarde des pays, avril, nous avons parlé du secteur touristique. Potentialité Haïti gagne sur le plan touristique. Mais. Qui ça nous fait avec potentialité ça? Qui exploitation nous fait? L'autre jour, pas songer les éléments de vin là, nous t'as parlé de comment on parle ça? De ma docteur? Hein? Non, les monsieur t'as parlé de racing et ah ok gaz neuf racing. Ok. Les monsieur t'as parlé de meubles faits. Non pas de meubles. Rallya. De rallya. Oui. Les monsieur t'as parlé de rallya. De nous disposer de structures de monde. Exactement. Alors monsieur, sous une politique touristique dans le pays d'Haïti. Pour mon tadim, même gens ou gain pas ou gain ou gain et Dakar ou consider pour nous pas ta gagner ça dans pays d'Haïti pour mon sorti tout partout vinn là nous c'est de monde nous yo pour nèg yo et organiser des structures faire en sorte qu'on gagne des investisseurs qui rentrent dans le pays pour construire des structures de permettre à ce que nous gagnions tout genre d'initiatives. Si me pas tombé Marcel m'croit la Suisse fait partie de pays qui pi bon chocolat il gagne dans le monde là. Alors que en Suisse c'est belge. C'est pas la cacao, c'est en Côte d'Ivoire. Il va faire cacao. Il va faire cacao. Mais il va puis mon chocolat. C'est pour montrer comme si quand il y a des monde qui a réfléchi. Ça veut dire au début on doit pas faire bagarre mais avec idée. Parce que Robert Kiyosaki dans le livre écrit que les pères riches pères pauvres. Je dis l'argent est invisible. Je dis l'argent c'est idée. Ouais, c'est même genre bon pays, c'est mieux de faire développement, mais c'est à idée, c'est à vision, c'est à politique publique pour me faire développement. Qui ça me gagne en termes de politique publique sur le plan touristique? Qui ça me gagne en termes de politique publique pour la jeunesse? Mais comment parce on parle de gagne? Jeunes nous gagnent qui composent les pays en majeure partie sont atouts liés, oui. Qui soient faits. Ce n'est pas utilisé à toi, c'est normal. Mais comment on fait une politique publique là? Parce que politique publique là, d'ailleurs, ça le va le faire, c'est concilier les intérêts. Mais il y a un nègre qui a intérêt dans le pays, qui n'est pas d'accord conciliation d'intérêts. Parce que nègre là, son nègre, par exemple, je prends un exemple, nègre là, il était financé campagne électorale en président. Bon, là. Non. Il n'est pas en président, mon sénateur. Bon, oui. Bon monsieur, bon, en sérieux. Gardons le Parlement pour rien là. Gardons le Premier ministre que nous avons. Ça capre glamba. Monsieur, ça capre glamba. Nous ne sommes pas un pays qui capre glamba. Sauf que son intérêt. Moi, je connais de sources sûres que le Premier ministre a supposé tomber déjà. Mais il a supposé faire un remaniement ministériel de façon correcte. Mais il n'y a pas qu'à faire. Et si il n'y a pas qu'à faire, ce n'est pas président. C'est intérêt que nous avons défendu dans le Parlement qui fait ça. Donc ça veut dire que, au conseil de secteur, dans le secteur des affaires, là, ça nourrit des affairistes. Qui derrière une série de intérêts. Il y a des fonds d'intérêts par eux. Et malheureusement, intérêts trouvés en contradiction avec intérêts population.
et députés qui soi-disant, ou bien des sénateurs, qui soi-disant des élus, parce que ou non démocratie représentative, donc ça veut dire que c'est des hommes qui sont là pour remplacer, quelque part, n'est-ce pas, porter revendication population. Hein? Mais étant donné que l'on non démocratie représentative n'est pas porter revendication population, mais elle va obliger faire sa population, dit-il. Donc, il est capable de faire ça qu'on est qui est bon pour la population. Donc, voilà dans quel contexte que nous arrivons. Nous conseillons de nègres qui sont dans le Parlement. Qui ça nègres qui fait? Nègres qui fait ça, qu'on est qui est bon pour intérêt par eux et avec les gens qui ont financé l'élection. Oui. Et je n'ai pas de dire à tout. Dans la réflexion d'a fait à tout. Qui ou à l'université ou tout. Pablo Isobdia Martinez, il y a plein de monde qui a un gros problème avec Jean-Bertrand Aristide parce que l'LTV arrivé dans tête pays, il n'y a pas vraiment un secteur qui était injecté l'argent dans la campagne, c'était vraiment population qui était sortie qui t'a voté. Donc, monsieur, il y a une possibilité pour le porter changement, ça, que n'a pas les... Mais l'individu n'était pas prêt pour ça, il faut exactement, dire. Il n'était pas... Monsieur, pas prêt pour ça, et conseiller de monde qui était l'entourage, monsieur, il n'y a pas prêt pour ça. Faut que nous disions ça. Bon, logique que je dis, faut que nous vînons avec la société haïtienne. Nous sommes une société traumatisée. Après 30 ans de dictature, après tout problème de dictature que nous gagnons, nous pas capables de penser en 86 que nous n'avons pas une solution. Puisque tout nèg qui était là, sont ces deux nègres qui t'a gardé, on sait de nègres qui a bien mené, et puis on dit, faut qu'ils ont bien mené tout. Oui. Mais nèg pas qu'on travail personnel, si vous êtes ça tout à l'heure, me parler de abnégation. Ça veut dire la capacité de pouvoir souffrir même, l'arrivée dans la position. Mais je veux dire, regardez, j'en ai gueulé. Pas gain abnégation, pas gain recul. Donc, Aristide, t'es gon timing, ça nous t'a rappelé, en momentum, mais elle pas qu'à profiter de lui, parce que justement, monsieur pas de gain capacité pour ça. Monsieur t'es gain capacité, peut-être, monsieur t'es capable de gain volonté. Mais la volonté ne suffit pas. Et puis, entourage, monsieur tout. Est-ce que monsieur t'es gain capacité pour le contrôler, entourage là? Ça veut dire, contrôler émotion, n'aiguë, volonté, n'aiguë. Puis même population, ça. Pour contrôler une population qui sort de nos dictatures, qui pas de contacter les démocraties. Mm-hmm. Vous voyez ce qui passe nous là? En 86, au lieu de tomber dans la démocratie, c'est dans l'anarchie de tomber. Tomber dans l'émotion. Oui. Alors nous allons proposer à Marcel et nous allons continuer l'analyse. Nous, l'analyse n'a fait là, sur la situation pays. Bien sûr, nous allons inviter, monsieur, c'est mon cas là que lié, c'est Maître de Meza, Auguste de Meza et Gougous. Donc pour nous continuer à analyser question pauvreté à tout, question développement. Et le choix de nos dirigeants, les choix. Hein, bien sûr, et puis dirigeants. Nous regardons tout, institutions, au regard des institutions de la République, par exemple, ou à l'université à Jodia, par rapport à ça, est-ce que il y a des néglans qui ont un doctorat en économie, ou un néglans qui fait doctorat en question de développement, pour qu'ils ajoutent, il y a des néglans qui t'a appelé pour faire des recherches et même faire des propositions par rapport à ça n'a vivre en termes de situation politique, économique, pour que ça pas un changement. Alors tout ça, nous va laisser analyser de manière approfondie question ça avec Gougous tout à l'heure comme ça, mais c'est juste après pause là. Signal 90 degrés. 90.5, Signal. Professionnel. Bachelier désireux d'acquérir une solide formation. Choisir la bonne institution d'enseignement est une étape déterminante pour votre carrière. Le conseil de direction de CISA, établissement d'enseignement supérieur qui, depuis un quart de siècle, a fait ses preuves dans la mise en place de programmes de formation répondant aux besoins du marché du travail, informe que les programmes suivants sont offerts. Département universitaire, sciences administratives, sciences comptables, sciences informatiques, gestion et finances. Département technique, assistance administrative, gestion hôtelière et touristique, marketing et relations publiques, secrétariat de direction bilingue, technique de statistique et des sondages. Les informations sont disponibles en ligne sur le site www.cisahaiti.com ou au registrariat de CISA, 316 route de Bourdon. CISA, 37 62 79 26 22 28 17 78, la force de plus de 25 ans d'expérience dans la formation des cadres. Nous sommes CISA. Pour respecter alinéa 5, article 83, loi 14 mai 2012, sous banque ak l'autre institution qui nous a fait finance, Banque Centrale publié dans date 11 d'août 2017 yon sikile qui fixait comment et qui jan facturation avec 4 crédits à fait. Comme ça, à partir 1er décembre 2017, Banque Centrale exigeait pour toutes 4 crédits qui fait Haïti régler seulement en goud, quel que soit côté opération à fait. Qui donc quitte opération fait en Haïti qui tri fait à l'étranger, yon doit afficher ou bien mettre facturation en goud.
bank ak tout lot institisyon ki bay 4 kredi yo gen limit 31 mars 2018 pou mete an goud l'ajan ki sou kont kliyen yo ki nan devize etranje. Sa fèt selon to referans BRH la. Nan sa sa, yo dwe aranje yo pou komersan ak profesyonel ki konsene yo respekte sa ki di nan sikilesan 1-3 BRH la. Bank ak tout lot institisyon ki bay 4 kredi yo dwe afiche to referans lan pou pipiti de kote nan chak sikisal yo genye. To referans lan dwe kole yon kote ki bien vizib, yon manye pou informe epi proteje konsomate yo. Genye sanksyon ki rezerve pou tout institisyon ki pa respekte sikile sa. BRH konte sou kolaborasyon nou tout pou aplike disposisyon si la yo. Population kwa de bouke? Mettez oreilles nous en trompette. Mairie Croix des Bouquets annonce yon konken chen opération mobilisation fiscale à partir mois mars 2018 là. Côté la invité tout citoyen à toute citoyenne qui dans commune mettez en règle avec la loi. Dans paye impôt à taxe communale yo. Tant que CFPB, patente, taxe ou affichage publicitaire, droit aliment avec permis construit et la trier. Pendant l'opération ça, il y a un inspecteur agent la mairie bien identifié avec Badjo qui a passé dans chaque propriété dans la distinction communale pour faire travail. Mais il y a demandé tout le monde collaboration. Pendant les bails garanti, chaque goutte collecté a utilisé dans le travail pour le développement commune et la population pour un service. La prendre à si vous ne mettez pas en règle, la loi prévoit une série de sanctions qui sont appliquées contre vous. Qui donc passez dans le local mairie. Signal 90 degrés sur espace côté nous fait décryptage. De l'actualité politique, économique, sociale, culturelle.
et nous sommes passés au peigne fin éditorial Marcel Joseph là, nous avons regardé ensemble la pauvreté d'Haïti qui sa cause li, qui sa origine et secteur yo dans la société a comment yo dans qui dynamique yo entré pour nous sortir dans question pauvreté a pour nous prendre route développement chemin développement genre nous remen di li. Mais nous voyons que comment il est un petit peu difficile entre les éléments triangulaires, nous parler de l'État, nous parler de secteur privé, organisation de base. Bref, je veux dire, qui s'est fait au moins entre l'État et secteur privé, qui s'est fait entre l'État et organisation de base, qui s'est l'État en tant que tel, en tant que, comme a dit, lui-même qui pour réguler la société, pour permettre la société aller de l'avant, et comme catalyseur a fait pour au moins nous. Nous avons inspiré peut-être un demain meilleur. Et alors nous allons inviter qu'on y a, qui sont invités Kaila, qui va l'aider nous faire éclairage sous situation de pauvreté dans vivre là, sous on capable dire réalité sociale politique que qui on peut plus difficile de jour à jour que nous vivre. Et puis nous regarder un petit peu tout avec les et l'alternative, parce que faut nous regarder demain, comment demain est jeudi à difficile, mais faut nous réfléchir pour nous construire un peu l'avenir. Et c'est actualité politique là, il y a énormément d'activités, quand pile l'information qui a sorti, les déplacements du président, la question de la Chine, les déclarations, par exemple, question rate qui t'y gagne, énormément de choses, c'est ça que fait, nous fait choix de professeur Auguste Demeza, donc que tout le monde connaît son nom. Gougous, pour aider nous comprendre ce qu'a fait dans la société à l'heure actuelle, puisque je pense que la meilleure façon que nous sommes capables de décortiquer ce qu'a fait, premièrement, c'est de trouver, nous sommes capables de brûler, nous sommes dans le mot du jour, là, nous parlons de militants. Militants. Ouais. Et pour nous-mêmes, nous pensons que faut que nous comprenions ça veut dire le mot militant. Hein, tout. Donc, ça fait que c'est important que nous t'ayons invité, ils ont profité. Militant dans le sens, ça veut dire qui est capable de débattre sur les idées. Et qui est capable aussi de défendre des idées. C'est en ce sens que nous pensons que nous gratifier de présence professeur Demeza. Professeur Demeza, nous saluons, c'est un plaisir de nous recevoir aujourd'hui. Bon, je dis là, moi, je vais accepter de saluer, parce que si je suis un petit caillou, je vais dire bonjour à la caille. Bonjour. Mais comme c'est la civilité, je vais après, on vous dit bonjour. Si c'est le sens, moi. Oui, civilité. Bon, même, monsieur Gou, qu'on dit madame, bonjour quand même. Voilà, le chaque matin. Mais, madame, je dis un compliment pour ce que vous avez fait hier. Vous avez essayé d'apporter un boom face à cette situation de désespérance et de désespoir. Ouais. Même aujourd'hui, ce sont des actes très questionnables. Mais au moment du geste, il est tellement grand valeur symbolique, oui, qui est inscrit dans le sens de la solidarité et du partage. Et en même temps, l'hypothèse en réponse de l'immédiateté. Mmh. Bon, c'est sûr que Fondal plus loin et de manière permanente, mais on s'attitude d'où? Il n'est pas qu'à faire chaque jour. Oui. C'est pas en fonction. C'est pas un mandat, nous, en tant que société civile. Vous posez une question tout à l'heure, ça, secteur, il a fait. Bon, moi, je vais répondre de manière laconique et cynique, les secteurs ne foutent rien. Parce que, en situation, pas capable de dégrader comme ça, pour dire que secteur, il a fait un bagage. Mais il faut que d'abord, nous identifié secteur. Bah, on identifie première. L'État. Non, on va venir sur l'État. On ne prend première. Qu'il y a l'État, tout de là, en même temps, l'État. Et on patine dans le secteur privé, hein, le secteur de la sous-traitance. Nous connaissons toutes, nous connaissons l'année dernière, on avait les mêmes visages, les mêmes personnes, les mêmes revendications. Des ouvriers et des ouvrières du textile. Un an après, quasiment date pour date, les gens sont dans les rues pour les mêmes raisons, le même discours, les mêmes personnes. Et nous avons aussi les mêmes réactions du secteur privé, du textile et de l'État. Ces irresponsables ont eu 12 mois pour réfléchir, pour faire appel à l'université, étudiez-moi la situation, bon me donner bonne information pour me comprendre les plus bien, bon me donner pour dire que je 350 gouttes, qui ça le café avec elle.
Mais yo connais ça, yo connais pas ça c'est non, faut que donné, yo connais pas faire. Tu m'as mis dire comment comment le droit, on a donné nos droits d'information. Le panier ménager, on connaît. Bon, rien n'a été fait. Et là, comme une vierge éplorée, comme une vierge rentrée dans une chambre avec un homme à 1h du matin, lui déshabille, elle les couche et le matin levé, elle saisit, lui dit nègre violé. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et ce, ou acceptation tacite. Donc c'est-à-dire que nous toujours en situation de vierge éplorée, nous déplorons la gourde entre mai 2017 et mai 2018, c'est dévalué. Mais il y a un profit supérieur à ce qu'on prévoit sous année budgétaire entre 2 gouttes 50 et 4 gouttes. 2 gouttes 50 et 4 gouttes ça, ou d'un après 50 centimes, ou répercuté sous salaire mounio, sans l'État pas du augmenté. Ou d'un répercuté en prime, ou d'un répercuté en bonus 14e mois, en n'importe quoi. Mais non, ils ont encore accumulé. Ils ont encore accumulé pour aller faire la fête à Expo Auto, pour aller à Miami en vacances, pour aller en croisière. Mais ils n'ont pas pensé. Mais professeur, moi-même, à ce sens, je pensais que je mets ton bémol par rapport au fait que je pensais qu'il revient à l'État. Parce que l'État doit rentrer dans la dynamique de ça veut dire de concilier les intérêts, de faciliter à ce que les employés du textile. Parce que et vous avez fait chaos, et vous avez fait. C'est mon cher. Commission. C'est bon, chaos, on bouette. Je m'excuse. Oui, une bouette. Oui, parce mais que le chaos n'a aucun pouvoir. On n'est pas capable de demander. Il y a des représentants de l'État, les représentants de. On n'est pas penser que nous sommes capables de demander, particulier privé en particulier, de lui-même choisir, ça veut dire, d'améliorer les conditions des gens. Faut qu'on ait l'État et des institutions. Talia Martinez font logique que je trouve qui très bien. Ça veut dire de repartir développement sociétal, fait à partir de trois secteurs. Ou gagne l'État d'abord, ou gagne le secteur privé, et ou gagne la société civile. Et moi-même, pour qui ça fait me penser société civile à l'île fondamentale, c'est parce que c'est l'élément qui pourrait le faire contrepoids dans la société. C'est lui-même qui pourrait tourner des groupes de pression, par exemple, ou gagne des syndicats, ou gagne des universités, ou se prend exemple, ou gagne la presse. Mais regardez bien ça qui passe. Ou gagne secteur privé qui est tellement gourmand, côté, à cause que le gain l'argent, non, mais il prend tout secteur, on est en bas avant lui. Il manipule tout. Et tu as bien dit ça, oui. Ce secteur privé en particulier. Parce que dans tous les autres pays, tu peux te retrouver avec un secteur privé proactif. Je ne vais pas attendre à l'État que mes revenus augmentent, mes profits augmentent. Je peux décider de prendre 20% pour calmer le jeu des syndicats, mais, pour calmer la pression. Non mais ce secteur privé n'a qu'une fonction. Non mais pour qui ça me dit ce secteur privé? C'est parce que ce secteur privé profite de la faiblesse institutionnelle. Oui, profiter de cadre réglementaire. Il profiter aussi d'absence de cadre réglementaire. Par exemple, dans d'autres pays, lorsqu'on secteur privé qui conforme, c'est parce qu'on a une loi. Parce qu'on connaît, si jamais l'irrivé dans le contexte, quand elle pas conformé aux lois. Valenèg ou est qui riche là, qui a mettre en prison aux États-Unis, qui a mettre en prison en France. Pour que ça fait ici, nègre là-bas, on calme en prison. On te laisse, ouais. Il doit non seulement se conformer, mais il peut dépasser aussi les lois. Si nous avons encore bonne mémoire, M. Capéon, qui a une autre culture, c'est un Dominicain, en mai 2017, dans une entrevue fleuve, avec le Nouvelliste, M. Teddy, le secteur du textile peut donner plus. Que 350 gold. Monsieur Capéan s'est battu avec l'appui de la Bible pour prendre les machines de magie cuite qui gravitaient autour de Codévi. Il faut créer un espace pour eux où ces machines de magie cuite sont installées et offrent une nourriture mieux comestible qualité, ouais, aux ouvriers. Et Codévi finance une partie des repas. Côté le pas de cas financier dans ma chaîne dans la rue, mais moun sa ou gen patente, yon enregistré, yon gon adresse connue, les financiers ont pas de manger pour moun yo. Pourquoi ce secteur privé haïtien est plus prédateur que M. Capéan? Capéan paye plus lui-même. On rend compte, Anissa, malgré concentration dans Wana maintenant, ou pas y a une crise là. Parce que M. lui-même te prévoit là. Il y a déjà plus que 350 gouttes là. Il y a accès à une nourriture chaque midi à un prix subventionné.
Est-ce que Capéen est plus haïtien que ceux qui sont haïtiens dans les affaires, ou est-ce que Capéen simplement est un capitaliste avec une vision morale? Non, professeur. Même dit morale. Avec une vision, il besoin d'être manger pour le cabal rendement. Absolument. Il besoin d'être moins frustré pour le baguette grève. Parce que les grèves coûtent cher. Quand tu as un contrat à remettre d'être plein en temps supplémentaire à 1,5 de la valeur, 2 fois la valeur, pour qu'elle réponde comme un an. Et puis en termes de crédibilité, tout par rapport à vis-à-vis. Les Lévis disent que tu vas me livrer 100 000 jeans dans 30 jours, tu rates la livraison, immédiatement, les Lévis se tournent vers un autre fournisseur, un autre prestataire de service. Donc Capéan l'a mieux compris que tous ceux qui sont au sein de cette association. Des industries d'Haïti. Pourquoi? C'est là pour qu'on a les... Pense... Du secteur privé, de cette réalité que tu parles. Je manque à Oberson qui t'a brûlé le jeune Daniel Boussier, donc j'ai bien ri. On essaie de comprendre avant qui est Daniel. Je connais. Donc, je suis une foi chrétienne basée sur la charité, qui n'est pas obligatoirement le partage et la solidarité. Daniel est le président du conseil d'administration de Foot for the Poor. Et on a vu son engagement pendant près de 2 mois suite à Mathieu. Et s'il n'y a pas eu de crise, une crise humanitaire forte, c'est grâce à la gestion de Food for the Poor. Daniel écrit des livres. Tout ça, monsieur, dit dans le discours, ça là, t'es déjà dans deux livres, Léo. Bah ouais, pour qui ça? Il y a ce tollé. C'est pas nouveau. Des bons négli, ou contre ça, Daniel, Rougier, a dit tout le temps. Moi, j'ai deux questionnements. C'est le momentum. Pourquoi devant l'ambassade américaine? Pourquoi il n'aurait pas fait une lettre ouverte dans la presse? Moi-même, d'apprendre mieux. D'apprendre mieux. Pas nous faire de nationalisme obscurantiste fermé. Non, pas du tout. Moi-même, d'apprendre mieux. Et il a été chercher une phrase fondamentale. C'est que Daniel n'a rien inventé. Borneau l'avait dit en 1924. Donc, c'est un cri. Est-ce le cri d'un homme d'affaires ou est-ce le cri du fervent catholique? C'est la question qu'on doit se poser. Oui, moi, ce qui me gêne, et Genoa Gemoun Kap Fâché, ce cri de Daniel m'a choqué suite au prêt qu'il a obtenu de l'ONA. On aime toujours dire qu'on a un pire respect pour Daniel comme des honnêtes. C'est une entreprise que un budget. Il prévoit un pourcentage de profit brut pour le faire des dons à des projets. Alors, son entreprise. Son entreprise. C'est son entreprise. Son entreprise. Il est le président directeur général. Il a contracté le prêt. Il est le président directeur général. Oui. Est-ce qu'il y a un problème dans le prêt? Oui. L'ONA n'est pas là pour ça. L'ONA n'est pas une institution financière. L'ONA peut investir dans les entreprises quand l'ONA est investi dans Oasis. Si l'ONA te baille des prêts, si c'est un prêt créateur d'emplois, créateur de richesses, mais ce sont des prêts pour importer des voitures. Donc, on a donné 700 millions, 400 millions à Boulogne aussi, il faut dire, il faut citer l'autre. On a donné à Evis, tous ces gens gravitent autour du pouvoir. Ça va créer combien d'emplois à Evis avec ces 400 millions, 60 millions, 460 millions. Ça va créer combien d'emplois dans l'importation de voitures chez M. Boulos? Ça va créer combien d'emplois? Même le prêt octroyé à M. et Mme Yuri Latorsu, questionnable dans le fond, dans la forme et dans le fond. Mais, Ougenoua dit que ces 100 millions empruntés vont permettre de produire 150 000 œufs, vont réduire les importations, l'investir dans Haïti.
Il crée 100 emplois dans la ferme. Il crée une augmentation de maïs. Hein, parce que manger bête, c'est 60% maïs. Malgré le questionnable et condamnable, Mourinho a dit au moins, ça a permis de réduire l'importation. Ça a créé 100 emplois. Combien d'emplois dans l'importation de machines qui pourraient le créer? Ni dans Evis, ni dans Boulos, ni dans Ougier. Zéro. Donc c'est ce qui m'a mis mal à l'aise avec la prise de position de Daniel. Gampil Moun, et qui traduit bah, dans le souterrain politique, il faut dire, on connaît moi-même d'où clair. Très bien, professeur. Oui, 36 mois. Il a dit, monsieur, a fait des matchs pour le premier ministre. Comme l'a fait des matchs pour le premier ministre, il faut y attaquer monsieur de toutes parts, parce que son vision sociale est définie. Il faut attaquer monsieur de toutes parts, parce que catégorie sociale, claire, là, pas de droit dans le pouvoir. Parce que déjà, il y a une entreprise, il n'y a pas de droit dans le pouvoir encore pour le faire côté, pour ne pas de voler quoi Petro-Caribé. Pour ne pas de voler quoi encore. Donc, soit exclusion en la société, hein, dont catégorie sociale, que un pays où il n'y a pas les maliots, sous-souillés, il y a besoin de subsaïs dans les meilleurs candidats. Ça veut dire qu'il y a une exclusion directe fait d'une dame de couleur en le pouvoir, non? Ah, de temps à autre, tu fais. Parce que des fois, un nec de couleur pas arriver au pouvoir bloqué. Mais combien de nec qui ont l'argent, déjà, qui ont un job ministre, ils n'ont pas critiqué. Mais bon, il y a un sentiment qu'on veut recréer dans ce pays, un conflit ouvert. C'est, et sous lit, ma foi extrapolation, oui. Sous lit ce débat autour du drapeau, c'est comme si le bleu et rouge, nous caïmans, dans le texte, c'est le drapeau de Pétion. Et le noir et rouge, c'est le drapeau de Dessalines. Donc, mais côté Fotaka, les sociétés haïtiennes d'histoire et de géographie, comme autorité scientifique et morale, qui vous a qu'à fond dossier sur la question du drapeau pendant un an et publier un livre. Vous a qu'à l'université, les historiens, les sociologues, les anthropologues, pour comprendre cette mouvance. Non, nous mettons nos bagailles, nous retournons en question colorisme. Ma qu'à l'idéologie, la couleur, une question idéologique, pas idéologie. Nous retournons nos fantasmes coloriques. Mais ça n'a pas empêché que même dès qu'il y a un fantasme colorique, yo, il y en a un pied gros comme ça, pour faire regarder nos kits, pour regarder pour faire des mains, pour regarder distribuer. Alors c'est donc, dans ce contexte qu'on parle de dialogue de, des états généraux, donc dans ce contexte de malaise entre les secteurs. Mais il peut pas avoir ce malaise, on fait une réunion de petits copains. Yeah, voilà. Et comme l'a dit M. Camille Fièvre, tu achètes certaines personnes qui avaient des problèmes momentanés financiers, ou mettons en bas là 250 000 gouttes, on machine, gasoline, 4 téléphones, on passe au balfait états généraux. En clair, les états généraux peuvent déboucher sur un cadre programmatique. Il nous faut cette conférence nationale. Où il y a la liberté de parler. Ouais, même les états généraux tellement pas connus, ils rentrent dans un cadre propagandiste. Là, on dit, on est dans réunion, on est dans réunion, et ils sont extraits pour y passer. J'étais heureux d'être là. Ça fait minable. Ça fait minable. Le président vous dit, je vous ai appelé pour un avis non contraignant. Or, il nous faut aller vers cette conférence nationale souveraine, comme en 1991, qui a eu lieu au Bénin, et avec un caractère contraignant. Il n'y a rien de contraignant là-dedans. Absolument, mais... Si les gens disent qu'ils ont rencontré des gens, ils ont à Caillère, font semblant de rencontrer des gens, ils ont rencontré des gens dans le secteur privé de l'éducation. Bon, écoutez. L'État généraux, ça va être une remise en question. Peut-être Jovenel Moïse aurait peur qu'il y aurait une remise en question de son pouvoir. Alors, il ne veut pas de conférence nationale. Il organise une rencontre entre petits copains, les États soldatesques. Parce que dans toute la liste des gens que je vois là, on ne peut pas parler de quartier général. On ne peut pas arriver à des États généraux. On va arriver à des États soldats. Parfait. Maître Gougous. Pas ces gens. Soldats. Maître Gougous, professeur de l'ESA, nous prenons une nouvelle pause. Après, nous allons retourner. Nous allons regarder tout par rapport à la description de réalité, de constat que nous faisons. Je dis, comment nous sommes capables de construire l'alternative? Est-ce que jeunesse à la cap coûter à la? Est-ce que nous avons un lendemain? Est-ce qu'il y a un avenir pour ce pays? Et secteur politique qu'il a, on dit secteur qu'il a opposition, comment on est par rapport à la construction de l'alternative? Donc, est-ce qu'il y a lieu d'espérer? Est-ce que nous avons espoir que Gouma a changé? Le jour qu'il vient, il sera géographique beaucoup plus difficile. De quoi prespirer, il y a espoir de... On fait la pause. Signal
Rachel Dilek. Économie. Sur Signal, il est 11h. Écoutez pour comprendre. Écoutez pour mieux décrypter l'actualité. Sur Signal, l'info de qualité, c'est plus qu'une garantie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous à cet instant précis pour ce nouveau bulletin d'information. Le président de la République, Jovenel Moïse, se retrouve à Taïwan ce matin pour une visite officielle d'une semaine. Parmi la délégation, il y a le ministre des Affaires étrangères, Antonio Rodríguez, et plusieurs membres de son cabinet et de quelques parlementaires. Cette visite a pour but de renforcer des liens diplomatiques entre Haïti et Taïwan. Jovenel Moïse devrait signer avec les autorités taïwanaises un accord de près de 150 millions de dollars destiné au secteur de l'énergie. Contrairement à la République voisine qui a établi des relations diplomatiques avec la Chine continentale, Haïti opte donc pour la continuité. Des organisations populaires et syndicales ont organisé vendredi dernier un sitting devant les locaux de plusieurs institutions publiques. Il dénonce l'augmentation dans les prochains jours des prix du carburant à la pompe, rassemblés devant les ministères de l'économie et des finances, des affaires sociales et du travail, ainsi que de la justice et de la sécurité publique. Les protestataires exigent le départ du président Jovenel Moïse, qui refuse de se rétracter. Le secrétaire général du mouvement de liberté et d'égalité des Haïtiens pour la fraternité, Oxygène David, déclare que cette lutte ne vise pas seulement à dénoncer l'augmentation des prix des produits pétroliers, mais elle a pour but de forcer le chef de l'État à laisser le pouvoir. Les manifestants ont été très critiques face au président et au Fonds monétaire international. Cette hausse des prix du carburant fait suite à l'approbation en février 2018 par le gouvernement haïtien du nouveau programme, Staff Monitoring Programme du Fonds monétaire international. Une colonie de rats détruisent les plantations agricoles de l'Artibonite, selon le président du réseau national des agronomes, Pierre-Michel Clercidor. Ce dernier se dit inquiet et presse le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural à entreprendre au plus vite une campagne de dératisation au niveau de la vallée de l'Artibonite. Monsieur Pierre-Michel Clercidor demande aux autorités de diligenter une enquête sur ce dossier. Le maire principal de la commune de Dédune, Ernst Saint-Fa, critique les autorités de l'État qui n'ont encore rien fait pour aider les planteurs et les paysans à faire face à cette situation. La population attend impatiemment une intervention de l'Organisation de développement de la vallée de l'Artibonite. Coup d'œil rapidement à l'étranger, Donald Trump a annoncé hier dimanche qu'une délégation américaine était arrivée en Corée du Nord afin de préparer le sommet qui doit réunir le président américain et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Notre équipe américaine est arrivée en Corée du Nord pour les préparatifs, écrit Donald Trump sur Twitter. Je crois que la Corée du Nord a un excellent potentiel et deviendra un jour une grande nation économique et financière. Kim Jong-un est d'accord avec moi sur cela, a-t-il ajouté. Le département d'État avait annoncé plus tôt dimanche que des émissaires américains s'entretenaient avec des représentants nord-coréens à la frontière entre les deux Corées afin de préparer le sommet qui doit réunir Trump et Kim. C'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. 90. Fête des mains existait dans tout pays. En Haïti, il est tombé dernier dimanche mois mai. Est-ce que ça veut dire maman pas mériter plus passer un seul jour dans l'année? Y a moun qui fait tant de qualité sacrifice pour petite li et puis un seul jour non bali? Non, c'est pas ça ça veut dire. Nous prenons un jour pour nous dire merci. Merci pour affection, merci pour compréhension. Et s'il n'est pas vivant encore, pour nous songer, pour nous dire le chant, nous regrette. Jou ça, si vous avez chance, maman, avoir toujours, potez fleurs avec cadeau pour lui. Mais si tout pas oublié d'il, ou pas petit li pour une journée seulement, mais pour tout reste vie. Unibank profite occasion ça pour faire toute maman à toute petite songer invitation par là.
c'est même côté de bralé. On fait route là ensemble. Contribuable qui sous tel état yo, dès le 31 mars la passé, oui, il y a quelques nan nous qui passaient. Yo payé ça yo doit payer l'état. DGI complimenté yo pour ça. Et li tout profité passé communiqué ba yon l'autre délai pour toute famille l'état vinn payer l'état droit fait majeur. Moun qui gen activité industrielle commerciale sous tel état a payé 20,000 goud par hectare. 7,500 gouttes par hectare pour tout le monde qui fait activité agriculture sous tel état. Le monde qui a un caille privé même qui bâtit sous tel état a payé 25 gouttes par mètre carré. DGI a rappelé tout contribuable, surtout fermier plagio, pour yo vin rempli obligation fiscale yo, sous droit fermage yo, en vain intérêt à amende continuer monter sous tête yo. DGI a profité faire connaître. Taxe fermage, pas impôt locatif. Ou payer la mairie impôt locatif pour caille qui construit sous terre. Mais faut qu'on paye l'état taxe fermage là pour tel état qui n'en met on. Si ou pas vin payer, la loi bail DGI pouvoir pour retirer droit jouissance soi. DGI attend tout le monde qui concède pour yon passer dans bureau qui pi près côté terre. Côté, y a besoin bon accueil et bon service, DGI serré pour yon. Un message de la Direction générale des impôts. La famille, parmi toutes les communautés connues, est sans doute celle qui marque le plus l'individu. La clé du bonheur familial. La clé du bonheur familial est une émission qui traite de tous les sujets relatifs à la famille, constituant à la fois un guide éducatif pour les adolescents et une référence pour les parents. La clé du bonheur familial. La clé du bonheur familial, c'est tous les dimanches, entre 5h et 7h PM, sur le 90.5, avec le révérend Jonas Alcé, conseiller conjugal, familial et organisateur de séminaires pour l'amélioration des mariages. Tu es de ma famille, qu'un peu que faire du sang. Pour la parfaite éducation sexuelle du père, de la mère, des enfants, bref, de toute la famille, Radio Signal FM vous présente « Sexe au 21e siècle » tous les jeudis, 10h, 11h PM, avec Dr Sylvestre Ulrich Francillon, sexologue, psychologue. Sexe au 21e siècle, sur le 90.5 FM, Signal. Signal 90 degrés. Économie. Signal 90 degrés, c'est la suite de notre entretien avec le professeur Auguste Deneza qui dressait un constat sombre de situation et surtout situation monde qui est dans le secteur sous-traitant, si on est employé ou qui souffre et qui bataille, puis si on est capable de jouer 1000 gourdes au lieu de 350 gourdes qui est raisonnablement trop petit pour vivre. Alors, jeudi, on a réfléchi tout à la situation générale, peu pas ici, hein, qui est alternative. Nous regarder, nous passer au pain fin. Ce secteur privé, jeudi, qui pas arrivé, en fait, entrer dans la dynamique, travailler avec l'État pour créer beaucoup plus d'opportunités pour les malheureux. Jeudi, par rapport à la situation qu'on a vive là, tout ça, on mettait comme constat. Comment tu vois, par exemple, l'opposition? Est-ce que cette opposition peut construire
l'alternative, est-ce que peut constituer une alternative. Là, on parle d'opposition, on a regardé des groupes qui gagnent NL Kassi, Valère Beauplan, on a regardé André Michel, Don Kato, Marjorie Michel. Est-ce que vous-même, nous capables de constituer une vraie alternative pour aller sur l'autre route? Bon, pour le moment, c'est le seul groupe d'opposition plus ou moins organisé qui a un discours de dénonciation. Et ça le proposer, hein, c'est la table rase. C'est la table rase. La table rase n'est pas une proposition pour construire l'alternative. C'est une alternative politique. Donc nous, c'est eux qui est alternative politique. Hein. Il n'y a pas moyen de négocier avec le pouvoir en place qui, qu'on le veuille ou non, malgré que nous connaissons qu'il a été nommé, malgré les vices au niveau de la consultation électorale, qui est le pouvoir constitutionnel. Donc, ça veut dire que la proposition qui est actuellement portée par ce groupe, c'est le départ du président de la République et de son gouvernement, le départ d'un champ. Dans quelles conditions? Ah. Est-ce que ce groupe a les moyens pour arriver à cette conclusion? Mais malheureusement, il y a d'autres voix qui s'élèvent. Mais ces voix sont minoritaires. Ces voix sont minoritaires. Moi, je dis que si nous sommes dans cette situation gravissime, il faut condamner avant tout et par-dessus tout les parlementaires. Parce que constitution clé, on a réduit le président de la République en quelqu'un qui est en charge d'aller inaugurer les chrysanthèmes. Maintenant, nous avons un président qui imite à N facteur X moins 1 en plus le président Martelly. Il ressemble comme à ces moulins auxquels s'attaquait Don Quichotte. Les moulins avant. On n'a qu'à faire l'inventaire des promesses depuis Martelly à date, on constate que même pas 10% ont été réalisés. Donc il y a un bluff systématique. Mais est-ce que mon projet alternatif? Oui. Mais projet alternatif, c'est la cafette, si et seulement si on gagne les parlementaires. Or les parlementaires, comme l'a dit quelqu'un l'autre jour, est la troisième branche de l'exécutif. La Constitution prévoit deux. La présidence, le gouvernement. Bon, actuellement, le gouvernement n'a pas existé. La réalité du terrain crée une troisième branche de l'exécutif, là, qui est le législatif. Le législatif, actuellement, est à la solde. Comme l'avait dit Didier Dominique, expliquez-nous, le roi fait un sacrifice d'animaux dans vaudou. Il y aurait les bêtes qui tu es un sousou. Et c'est pour ça que nous dit sousou, tous ces mondes qui a mandé tout le temps. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas tuer le sousou dans la cérémonie, dans le rituel vaudou? Il faut tuer le sousou pour arriver à une alternative. Moi, je suis convaincu, ma bonté, j'en ai fait, on ne peut pas aller loin, on ne peut pas aller loin en tant que république avec de tels parlementaires. Dans la table rase là, l'IPADA doit impliquer seulement l'exécutif, là, Jovenel Moïse, c'est l'État, c'est les trois pouvoirs. Faut le toucher, le législatif. Non. Parce que c'est une crise profonde, ça, c'est que nous, par contre, nous, chambre, cap défendre droits citoyens et citoyennes, non, j'ai une constitution modèle. La majorité de nos parlementaires ont toujours été une branche prolongée, décentralisée, déconcentrée de l'exécutif. Cap Goumé Boudjob, chaque sénateur en bas, chaque député, un petit directeur général. On prend un exemple simple, l'ONM. De manière tout à fait illégale et anticonstitutionnelle. Le budget de l'ONM est passé de 54 millions à 116 millions. Il n'y a jamais eu de budget rectificatif. Mais l'ONM est maintenant le bras armé en tant qu'organisme décentralisé pour jouer le rôle cap financier entre guillemets des petits projets
qui consiste à bailler mon des chèques 5000 gouttes, même Jacques CAS. Dans l'espoir que mon saillot, pas vine votre people. Donc on parle de la joie, papa. Oui, comme directeur général. Maintenant, professeur, dans l'actualité, à tout gain. Montre-moi, on fait la partie ça à l'époque. Donc, même pour mettre clair, forme de parlementarisme, il y a là. Chaque constitution prévoit là. Ils sont dangereux permanents pour un changement dans le paysan. Oui, mais professeur, ma petite fini, mais le problème, est-ce que c'est le problème du Parlement ou le problème des hommes qui occupent la fonction de Parlement, les deux. De parlementaires? Parce que, ou regarde les pépinières qui vont rentrer là, ça veut dire que dans les prochaines élections qui vont rentrer là, ou risquer le même problème, non? Les deux. Il faut rebalancer les pouvoirs en Haïti. Parce que en 1987, il y a eu cette phobie d'un régime présidentiel. On a réduit la présidence à rien du tout. Vous pensez, il faut nous repenser la constitution en ce sens. On a donné des pouvoirs à un parlement. Au lieu d'avoir un papa volet, nous avons actuellement 119 plus 30 papas volets, plus le président et le gouvernement. Parce que la fonction principale actuellement d'un parlementaire, c'est chercher l'argent. Tous les gros chantiers à Vivi Michel. À Vivi Michel, Marcel, mon frère. Chaque chantier m'a dit pour qu'il m'a dit ça à la grosse goutte pour qu'il m'a dit il y a pour sénateur un tel, pour député un tel. Il y a un gros chantier dans la circonscription. Soit Vivi Michel, il y a une folie Vivi Michel, soit il y a allé dans Belleville, soit il y a monté sac pied éclairé, sac de pied éclairé, aller dans les hauteurs à Pèlerin. Il y a une maison concours sur Pèlerin pour un député. Membre du bureau. On a évalué la construction de la maison à 1 200 000. Pas qu'on ait porte, pas qu'on ait fenêtre. Quand tu crèves, même faut modifier la constitution, il crève pour garder son autonome. Faut il crève une unité de lutte contre la corruption et les crimes financiers, faut une institution indépendante. Mais en même temps, on peut se poser cette question. Il y a un rapport de la Cour sur les comptes qui épingle le sénateur Lebon en tant que questeur jusqu'en 2015-2016. Il y a un monde dans la Cour sur les comptes là qui a falsifié le rapport. Parce que notre travail pour notre candidat au Sénat, il faut écraser Lebon. Monsieur, si à la Cour sur les comptes, monsieur, on est sérieux. Pierre Joxe était ministre tout puissant de Mitterrand. Ministre de l'Intérieur de Mitterrand. Le poste de président à la Cour des comptes devenait libre, mandat était fini, les n'étaient pas à la retraite. Pierre Joxe a préféré, abandonner les privilèges ministériels pour être président de la Cour des comptes. Tellement Cour des comptes sont pareil. Fondamental dans tout pays du monde. Moi, j'ai vécu à Montréal. L'OPRAL présentait le rapport annuel sur le budget et l'état financier du Canada. Donc, il est le vérificateur général. Tout ministre malade pendant 15 jours. Absolument. Et ça, même si on fait imprimer rapport, hein, il prend possession de l'imprimerie pour qu'il n'y ait pas eu de fuite. Pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et il faut dire que ça relève du Parlement. Oui, c'est inamovible. C'est le vérificateur général, c'est ce qu'on appelle une organisation de la couronne, et c'est seul Parlement qui gagne bah, compte à lui-même. Là, M. Guérapol n'a même pas poté, M. Remet Parlement après le bon conférence. Si M. la bonne conférence, le Premier ministre Guérapol n'a même pas. Là, M. est dans les presses qui est imprimé pour le gouvernement canadien. Il prend possession de l'espace. Il n'y a pas que vous demandez autorisation. Quand il soumet son budget au Parlement, les parlementaires peuvent l'appeler pour lui dire, vous savez, nous sommes en train de faire des économies, est-ce que vous pouvez réduire votre budget? Il n'y a pas qu'à questionner le budget. Le gouvernement qui a questionné le budget, l'autre ministère, mais même si vous présentez le budget, il n'y a pas qu'à questionner. C'est un bonhomme craint en Haïti pour nous faire arriver dans un scandale pareil. Et c'est là le problème. Non. Ouais. Nous parlons du Parlement. Il faut nous parler tout de la Cour supérieure des comptes. Si c'est vrai, ça veut dire. Monsieur, si c'est vrai, nous mettre fait son dictée là, prêt à la ligne, tirer les traits. Il n'y a même pas de question à poser. On a la même situation au CSPJ. Tu parlais tout à l'heure de la déliquescence. Mais c'est ça lié. Au CSPJ, il y a deux inspecteurs pour mener des enquêtes
sur les juges. Et dès qu'on crée qu'on suivait des comptes, on passait de notre tête, on aurait dû faire la modification pour éliminer le poste de commissaire du gouvernement pour avoir le poste de procureur de la République. En anglais, on dit le persécuteur. Là, on est du procureur de la République aux États-Unis, dans l'un nous. Même petit, je ne sais pas qu'on fait. Petit, pas qu'on fait. Si on n'a pas, oui. On a étudié au commissaire gouvernement. Seule question, combien il vaut? Combien il vaut? Donc, moi, je pense, nous avons raté la transition 86-87. Et à la différence d'un dictateur général comme Pinochet, quand il a fait son coup d'État, il avait 83 détenteurs de doctorat. Et à peu près plus de 400 détenteurs de maîtrise. L'armée d'Haïti avait peut-être une trentaine ou une quarantaine de licenciés, en plus de leur diplôme de l'académie. Et ils se sont associés à des gens qui n'ont pas pu faire la transition. On a eu la deuxième transition, le coup d'État, en 91-94, qui a été aussi un échec patent. Un échec patent où les hommes qui auraient pu peut-être aider se sont transformés en contrebandiers et nous sommes en train de payer. Cette dislocation à la frontière, qui est aussi la résultante de l'embargo, von Bablier, von Patrick. Absolument. Donc, vous créez système contrebande, vous installez entre 91 et 94. Après ça, nous avons une transition. Elle est possible, nous sommes foutus. Avec Gérard Latortue. Qui dit, comme monde qui est économiste, qui tape travail dans l'OCDE, dit, mon seul et unique mandat, c'est d'organiser les élections. Alors qu'il a pillé le pays. Ah oui, deux machines neuves. Il était à Nusra. Le commandé qu'on livrait, vous dit. Au CDE ou On dit. En sérieux. Il faut se poser la question politique en toute honnêteté. Est-ce qu'il ne nous faut pas une vraie transition? Monsieur tellement pillé le pays, il y a que même machine que le tape servile était la veille. Oui, on s'en souvient. Oui, il était fait livrer au Miami, vous dit. Oui. Ils sont pas incroyables. Oui, finalement, il était fait retourner par Wissi en Haïti. Oui, deux voitures. Alors, par rapport à ce qui se passe dans le milieu aujourd'hui, professeur Demeza, est-ce qu'on peut prédire un chaos en Haïti? Est-ce que Jovenel Moïse aura la chance de boucler son quinquennat? J'en doute. S'il boucle, ce sera une catastrophe. Parce que c'est comme si le gouvernement de Jovenel Moïse ne comprend rien dans les indicateurs macroéconomiques. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller là, professeur? Moi, une question m'a posée. Il faudrait qu'il se questionne. Là, me dit indubitablement, parce que M. Moïse, mille excuses, ressemble à un cheval de bas qui gagne deux ornières pour le bailler ni à droite ni à gauche, ni contre tout doit être plus fin. Oui, mais est-ce que nous pas capable de la possibilité pour qu'elle reprenne ni? Parce que je pense que faut que nous tenions compte de alternance. Bon, alternance, c'est je relative, suis un constitutionnaliste, mais... oui, c'est convaincu, Marcel. Pour moi, la solution, c'est d'arriver à un accord avec M. Jovenel Moïse. Oui. Mais pour avoir cet accord avec Jovenel Moïse, il faut avoir un accord avec les grandons, ceux qui ont financé sa campagne. À la suite des élections de M. Martelly en 2011, si on en croit la rumeur, certains proches de M. Martelly t'ont dit, les films fait campagne là, M. Térité ont excédent dépassant le million, des millions de dollars. Donc je crois qu'après la campagne de M. Moïse, il y a eu aussi un excédent en millions. Il y a certains noms qui sont cités, dont on dit qu'ils ont investi des millions dans la campagne. Bon, malheureusement, on a un conseil électoral provisoire coquin. De ne pas même madame au contrat à manger. Ça veut dire qu'on n'a pas même respecté madame ni. L'homme volé, que madame on a une honorabilité avec petit tout. Qui n'a jamais demandé à aucun parti une reddition de compte. Et au grand l'autre, l'État coupion, qui subventionne même parti politique sérieux, on va jamais compte combien de quoi pour mieux des jeunes pour campagne. Il lui fallu le scandale éclatant en République dominicaine de Mme Nouria pour savoir que Mme Maniga avait reçu 500 000 dollars américains. On ne l'a jamais su avant. C'était 250 000 dollars. Alors, on a une situation ça. Donc, est-ce que Moïse, M. Moïse, est président? Ou est-ce que M. Moïse aura le courage de devenir Soulouk? Si on vient chercher un maître de mon côté, n'a pas regretté, oui. Et celui qui a fait regretter, il avait fait à la politique de doublure.
Déjà avec Matéli, c'était une politique de doublure. Ce sont les hommes d'affaires qui dirigeaient ce pays. Et on voit aussi la même chose. Tous les ministres sont toujours dans les grands hôtels. Ils foutent rien. Ils attendent. Non, mais professeur, ça tout le monde le sait. Tout le monde le sait que les ministres ne foutent rien. Parce qu'on va regarder chaque pays ailleurs, on va regarder chaque situation ailleurs. C'est clair que pas gagné cap marché. Pas gagné cap marché. Mais moi-même, je pensais que si on était dans le contexte démocratique là, est-ce que pas une possibilité, par exemple, nous parler souvent de on think tank. Ça veut dire que y a des mounes qui décidaient carrément que Jovenel font ouverture pour que gagne une cellule de réflexion qui pourra faire des propositions. M'a demandé en ce sens, puisque nous en quête de solutions, nous sommes des scientifiques, nous sommes des intellectuels, nous en quête de solutions. Est-ce que par une possibilité, je dis, hein, que qu'on force la collectivité, hein, qui font évaluation de problèmes et proposer des solutions, et d'aller, ouais, le président, dit, voilà la sortie. Parce que là, moi, soit dit, moi-même, pour moi-même, pas penser que solution, hein, c'est table rase que le lit. Nous d'accord. Mais comment ça me dit là? Il y a tellement de pouvoir au Parlement. Tu as 119 personnes qui se prennent chacun pour un président de la République. Aucune décision sérieuse ne peut être prise dans ce pays si ou pas qu'on accord avec le Parlement. Avant toute forme d'accord avec ce Parlement, il y a une négociation pour les postes. Marcel, tu n'es pas sans ignorer, vous n'êtes pas sans ignorer que le premier cabinet ministériel du gouvernement du président Moïse s'est joué où? À l'hôtel se trouvant à rebord d'une place publique de Pétionville, à 1h20, à 1h du matin. Le président a quitté cet hôtel à 1h avec, accompagné de son épouse pour gagner sa résidence à Pèlerin. Arrivé chez lui à 1h20, on lui a dit qu'il y a eu un changement de cabinet ministériel. On a changé de ministre, dont le ministre de l'Éducation et un autre ministre, dont j'oublie lequel. Et le président n'a rien pu dire. Les législateurs ont modifié le cabinet que le président avait, que la négociation, côté négociation a été arrivée. On parle de certains chefs d'entreprise qui ont débarqué au départ du président, accompagnés d'une diacoute d'argent, et des ministres ont changé. Pour changer le ministre de l'éducation, on parle de millions. Parce qu'il fallait des monopoles au niveau de l'éducation nationale. Le nom avancé ne convenait pas. Il y a une valise de millions qui a été distribuée. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de diaboliser ce Parlement? Vous dites que ce Parlement n'est pas nécessaire. Mais ce Parlement est plus que diabolique. C'est l'enfer même. Oui, c'est l'enfer même. Parce que c'est un ensemble de petits coquins courants à droite, à gauche, à demander. Mais, au niveau de l'administration publique et de l'administration professeur, privée. Professeur, moi, je pensais que. Parce que généralisation, d'accord, je comprends. Il y a exception, je ne vais pas dire. Il y a exception. Parce que il y a des éléments quand même au Parlement que nous pensons, qui vont passer et qui rentrent dans la dynamique de lutte contre, justement. Ça a accusé le Parlement. Ça veut dire que c'est des hommes qui l'ont uniquement pour défendre l'intérêt personnel. Donc on dit qu'il y a toujours une majorité, mais est-ce que cette majorité-là n'est pas en train de s'autodétruire aussi? Mais cette majorité ne comprend pas qu'elle est en train de s'autodétruire. Écoute, Marcel, je ne l'ai pas inventé. Le deuxième personnage de la République, le président de l'Assemblée nationale, a déclaré une station de radio à Jacques Mel. Vous parlez de sénateur Lambert. Le sénateur Lambert. Que le député du peuple, de Marigot, Déus de Honnête. Déus de Honnête. Faut aller se dans la ville pour acheter un mop à un bouquet, pour aller passer mop depuis la période de s'incriver jusqu'à président, pour financer un projet pour la commune de Marigot. Pour un projet pour le député, non? Pour un projet pour la commune de Marigot. Ça, c'est des excès de langage qu'on a trouvé. Excès de langage. Parce que le député, lui. Ça traduit la réalité. Donc oui. C'est parce que le parce député. Que tout est dans le pour un paix. Mais ça traduit sa proximité aussi avec le pouvoir. Ça veut dire sa capacité de contrôler le pouvoir. Alors ça traduit pour moi quelque chose de pire. Mais le gars, il est. Son incapacité de jouer sa fonction, de remplir sa fonction de parlementaire. Mais il est éphémère. Ça veut dire l'opposition côté qu'on l'autre monde qui pourra le retrouver l'opposition ça plus tard. Mais c'est ça que les hommes politiques doivent comprendre. 4 ans député, 6 ans premier mandat sénateur, 5 ans en dans palais, 1 an en poste diplomatique en République dominicaine, et il a réalisé le papa tourné.
Est-ce que c'est tourné ou bien tourné avec un mansalier? Bon, bon, monsieur, fait peuple comprendre que c'est tabac lié, il faut le temps de tourner. Réclamez-le. Il est revenu là. Avec... Là, vous êtes en train de me dire que ce Parlement n'a pas d'avenir. Ce Parlement n'a pas d'avenir. On peut, pour moi, je veux, je souhaite demeurer constitutionnaliste et légaliste. Gougous, nous... Mais je crois que il n'y a pas d'alternative. Il nous faut une vraie transition. Quand je parle de transition, il y a toute une génération d'hommes politiques qui parlent, qui gossent, qui s'autoproclament. Ils ont fini tout. Gougous, Gougous. Il nous faut aller chercher ces hommes et ces femmes Gougous. Qui se cachent dans leur salon, qui se cachent dans leur jardin, et vous allez prendre eux quasiment de force pour nous dire, l'histoire fait appel à vous. Gérez ça pour moi. Gougous. Il y a 3 milliards 900 millions de dollars disparaître là. Et si vous voyez la liste d'épiceries du président de la République, c'est des demandes qu'il va faire à Taïwan de plus de 10 milliards de dollars. Et si on lit la liste d'épiceries en détail, on constate qu'il y a eu de l'argent qui a été débloqué dans les fonds pétro-caribéens. Déjà, on parle de l'aéroport des Cailles, Coblen, côté lié, ton air d'une pipe de chien. Qu'est-ce qu'on pas qu'à faire avec eux? Même tout ça, c'est malheureux. J'ai connu Jovenel étudiant. Non, mais la liste d'épiceries en question, c'est une blague. Est-ce que Taïwan, c'est papa Haïti qui est lié? Qu'on question d'intérêt. Je pense que nous avons retourné sous débat ça. Oui. Mais moi, je combat comme Taïwan, c'est que moi-même, je pense que nous sommes dans une démocratie. C'est le cas, par exemple, des États-Unis. Lorsque le représentant se comporte mal, ou bien lorsqu'on a besoin de faire pression, c'est la population qui fait pression sur le représentant. Moi, je pense que faut que nous tournions à la. Si nous ne montrions pas A plus B que le Parlement est constitué jeudi à l'heure actuelle, il y a un handicap à développement société, il y a un handicap à ce que nous sortions dans la situation que nous y a, que nous rendons population, hein, mettez population face à responsabilité, que ces gens-là ne retournent plus chez eux. Mais ils n'y retournent pas. Non, mais ça veut dire qu'on possibilité pour que yo fait pression sur yo. Non, même penser que faut que nous restions dans l'esprit de la démocratie. Ça veut dire que ce sont des hommes qui sont élus dans leur communauté. Yo élus dans la collectivité. Donc moi-même, je pensais que si nous discutons à la Port-au-Prince, faut qu'on y a, par exemple, dans chaque commune, dans chaque circonscription, yo, que population prend responsabilité et puis montrer par A plus B. Moi-même, c'est ça qui fait que moi-même, Gougous, moi-même, on n'a pas que me penser que fondamental, le secteur universitaire, les étudiants doivent travailler en ce sens et les journalistes aussi capables de faire. Ça veut dire, sous mon ton document, je vais prendre un exemple. Sénateur Lambert. OK, nous prenons sénateur Lambert, nous qui doit prendre n'importe qui sénateur ou bien n'importe qui député. Nous montrer par A plus B, mais qui s'en est de la réaliser. En termes d'apport, puisque nous connaissons le Parlement, ce n'est pas à la Calia le fait pont. Le travail du parlementaire, c'est un législateur. Il est là pour légiférer. Ça veut dire, m'a mesuré le travail du parlementaire par comment le porter revendication, circonscription côté lié à un Parlement, en proposant des lois pour résoudre des problèmes dans la collectivité. Le pouvoir de contrôle aussi. C'est pas à le fait pont. C'est pas nal fait, Alphonse. Le diable fait bon, maintenant ils sont devenus faillés, ça a financé 700 mètres route dans la zone sud-est, maître d'œuvre, sénateur Lambert. À qui qu'on prend l'État? Nous, il va dégénérer ça, ça même. Écoute, m'a prébété aux phrases, moi, hein, Marcel, vieux frère. On a souhaité, pour m'en paix avec sa vieille, restons inconstitutionnalistes. On légaliste. Mais nos pattes humaines, ça n'est pas devant nous. Faut nous une transition pour aujourd'hui, pour nous former toute une nouvelle génération, pour aller vers des élections, pour nous changer sa gambard. Majorité dans yo, on fait enquête, ou bien correspondant. Mais c'est vraiment de tout correspondant, yo. Fait tout débattement pour demander depuis combien de mois il n'y a pas eu député avec sénateur. Ou bien les députés ou sénateurs débarquaient, son coup de cob il fait. Il débarquait avec un cob. Dans deux machines, gros hommes, grandes fois une fois devant lui, il distribuait quelques enveloppes et il remontait la machine dans le tunnel pour nous vérifier chantier dans Vivi Mitchell. Nous avons une patte humaine, nous avons laissé la place, Marcel. Pour des gens, il n'y a pas même monde.
Parce que je comprends à moun, yo pas moun yo même. Ouais, pour les haïtiens. C'est même qui a fait mal. C'est même qui a fait mal. Marcel, marché dans la rue. Nous, on nous marché tant. Tu racontais dernièrement avec tant d'émotions dans une thèse éditoriale que on a descendu après sacrer les chaînes de masse pour lui. Même pied bois, chaîne de masse qui est de prostitution. Ouais, population avoisinante là. Et ces messieurs se gossent. Non, gousse, bon, c'est très honnêtement okay. Mon complot. Marcel, nous va le proposer. Il faut qu'on fasse un complot. Oui. Alors, le complot des jeunes bien. Oui. Mais ce que je te dis, c'est que, ça que j'ai c'est ça que Daniel Rousier proposait. Est-ce que aujourd'hui la communauté n'est pas trop passive? Est-ce que les citoyens ne sont pas trop passifs par rapport au bail, autorité, au mandat? Et puis je vous dis à Kwasi Braio, il a regardé que autorité, par exemple parlementaire, qui a intervenu en dehors de la loi. Par exemple, un parlementaire, je sais dire là, qui déclarait comme tête, comme maître d'ouvrage, donc qui, ça n'a rien à voir avec le cadre légal, la loi. Donc, quoi que nous allons approfondir. Son lassitude qui vient de la part de la population. Oui, tu as raison. Oui, oui. Il y a désespérance et désespoir. Et nous venons un paquet de vagabonds. Von Klesouli, qui a l'été de pasteur. Qui maintenu Mounio dans l'état ça. Oui. Qui maintenu yo. Pour nous arriver, pour faire mon. Je. Nous parlons de l'église. Malade, oui. Oui, non. Ma bille, elle me met vieux chapeau, ma chite à la dernière. On m'a fait veille de nuit. Mal tendu nos soirées. C'est mon pays sérieux, monsieur. Il va qu'à continuer. Monsieur Allah, d'ailleurs. Non, mais pour nous, là pour l'autre pause, dernière pause là, nous avons la dernière ligne de notre émission. Signal 90 degrés. Depuis Kounia, passé fête des mains, fête des pains, rive jouk dans le mondial football, BNC a plagué un spécial financement pour machine neuf. Relais ça, opération FF. Financement fourni jusqu'à 100%. 100%. Machine nous t'a prévé à Kounia, on t'a oublié. BNC, avec BNC, avec BNC. Alpha pour format, vite fait grand format. Sur votre véhicule est remboursable sur 48 mois avec des taux d'intérêt imbattables. Financement disponible pour les entreprises et pour les particuliers jusqu'à 100%. Opération FF, financement fourni jusqu'à 100%. 100%. Une exclusivité. BNC. Termes et conditions applicables. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Jou internet rapide, si a lèk nan fòm ni vle, tè kou sè tè likide. Nou pa tout chouk nan tout, navigè sou nè pòt sit. Li pou chwazi lò bò y sit. Ak internet, access, tap, pété internet. Sou vle chat net, fòk ma neglijè sè l'ekipèt. Le ghetto pa, ekipèt, ak, servis pa pakèt. Vin abonè ou di fachè, ou pri, et tout asset. Sou vè sou download ou pa jom fris. Indoor, outdoor, pou tout an ke fris. Nou gen T-Mobile, Access, gen NetMobile, ak ton USB dongle, pou ka tout mobile. Mwen te traje ki kle pou kay la, toujou bien passe li, pa bay kaka. Mwen jen tele Haiti, kade tout chen net, pou pa eklere bagen devlopman sa internet. Access, Access Haiti, Access, Access Haiti. Pour ou filariose, c'est comme une maladie qui a dormi dans le livre. Pour si la yo qui a vive avec elle, quittez-vous parler. Il y a une femme qu'on a crié, maladie, qu'on peut qu'on est disposé pour un demi-être sans connaissance. Et au bon côté, on a demandé travail, on regarde le visage, on regarde le bureau, on dit, tout le monde est filmé, on ne peut pas travailler. Maladie filariose, c'est une maladie qui brise en
pile. Ou yen doit gen maladie en la, il gen 10 ans, 15 ans vers un don li pa chanm développer. M'a fait population comprendre, les a bay comprimé a pour prendre. Oui, yon fois chaque année, toujours prendre bon la caillou, jout tant docteur dit autant. Si ou gen question, rele gratis nan 37 31 30 30. C'était un message ministère santé publique à population. Espace un jeune garçon qui prend la mer, aller chercher qui prend la vie des coins. Un pays qui néglige sa jeunesse néglige aussi bien son avenir. Nous, à Signal FM, nous sommes conscients et agissons de fait en vous proposant tous les dimanches entre 11h et midi l'émission Et si on parlait des jeunes. La jeunesse a besoin de toi. Et si on parlait des jeunes avec Cochen Bernard et Nixon Attis sur Signal FM 90.5. C'est la jeunesse qui Et si on parlait des jeunes, un espace de débat, de critique et de proposition sur toutes les problématiques de la jeunesse haïtienne. Electro vient d'emménager dans un nouveau bâtiment au numéro 22 de la rue Clairvaux à Pétionville. Top Electro, spécialiste de la maintenance électronique, installation, réparation et dépannage d'appareils électroniques et informatiques, s'installe dans un local flambant neuf et nettement plus spacieux pour proposer une gamme plus élargie à ses clients. Nous serons fiers de vous accueillir à notre magasin et notre équipe d'experts se fait une joie de vous orienter dans vos achats. Top Electro reste à la fine pointe de la technologie afin de vous garantir des produits de haute performance. Adresse 22 rue Clairvaux-Pétionville. Téléphone 33 16 33 33 28 16 57 40. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. Gala de la fête des mères. L'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité au Caribe Convention Center le vendredi 25 mai 2018 à 7h30 p.m. Au programme, valse. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Vina assurer pour pas dans tête chargée. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Quel que soit l'âge ou adjoint la soignage. Peuple haïtien, Miss Santa, tenne. Vina qui ont aucune chaîne 4 santé pour nous. 4 la soignage là. Femme enceinte, grand monde, timoun, étudiant, commerçant. Qui au gaïa, qui au malade, vina 4 la soignage. Paola, actuellement 1500 gouttes, ou abjouin 4 la soignage pendant 6 mois. Ak yon aucune chaîne service. Consultation gratis dans même plus passé 40 docteurs. Médicaments génériques à gogo pour 50 gouttes chaque. Examen laboratoire pour 50 gouttes chaque. Filtre 4 la soignage Paola. Santé PAM, c'est Dash. Passez près 4 PAO dans toute clinique Dash yo avec tout côté qui marque 4 avantages santé en vente ici. Pour plus d'informations, relevez 37 30 32 65. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. 7% mettez pour mettre. Si 50 000 gouttes, 7% à petit temps, ou bénéficier 7% obligation. RH, c'est quoi vous cap fait cash, pas négocier 7% mettez pour mettre. Fanny, vous êtes passé yon côté, tant de moun a parlé de yon produit relé obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mette sous marché à. Fait l'argent fait petit. Dépogé pour pipiti 50 000 goud ou ka mette nan obligation BRH ka rapporto 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année, ça bon net, oui. Et puis, c'est un petit dollar que tu as acheté pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon. S'il monte, BRH a corrigé ça avec un petit diplice qui a mette sous 7%. Qui donc? Ou pas jambé dit non? D'ailleurs, c'est renouvelé, m'pral renouvelé pas nan la pour 3 mois encore. Qui compte exactement m'a joindre produit ça? Ou a joindre li nan Pifo Bank yo, nan coopérative ki nan fédération yo ak nan l'autre institution financière yo. Eh bien, ak obligation BRH, tout jan gagné. Ou fin parler oui Carol. Ça pour mettre pour mettre pipiti 50 000 gouttes. Ça pour son à petit temps pour bénéficier 7% obligation. Mettez pour mettre.
Signal 90 degrés. Signal 90 degrés. Économie. Signal 90 degrés, c'est chaque jour sur Antenne Radio, ça, c'est du lundi au vendredi, c'est à partir de 9h en direct, et puis avec une reprise dans la soirée, à partir de 10h du soir, sauf le jeudi, donc avec un panel de journalistes chevronnés, Marcel Joseph, Woodley Antoine, et puis sans oublier serviteur Jude Martinez Cassidor, je vous dis à inviter la pose de voix. C'est professeur Auguste Deveza qui c'est consultant nous qui c'est Moun Kaela et apparemment nous probablement là qu'on y a là nous le fond flash avec une collaborateur nous qui va parler nous de processus ou quoi qu'il y a fait là pour nommer au monde dans CSPJ. En fait c'est pas un collaborateur monsieur son intervenant son mis et son n'a pas eu de société civile oui. N'a pas eu de aller Alfred ou là on a coûté débat sur au signal 90 degrés. Oui, on a attendu là avec un pin intérêt débat. Permettez de me saluer tout panéliste. Je vais saluer tout professeur Demisa. Et je vais saluer tout à fradio. Et je pense que le sujet que nous avons abordé matin, c'est le sujet très vital. Parce que, écoute, et on n'est pas capable de faire une société comme ça doit. Ou pas un état qui a garanti respect chaque catégorie qui a évolué dans la société. Et vous pensez que c'est un débat qui est d'actualité dans le pays, côté que plus fort monde pas dans le dirigeant, plus fort monde perd de l'espoir. Et je dis, on n'a pas assisté avec impuissance à ça que nous vivons pendant une période donnée, la fuite du cerveau en Haïti. Alors, allez. Jeunes formés, jeunes garçons qui forment. Qui a quitté le pays, et raison, c'est pas raison forcément politique, mais parce que l'environnement économique qui t'a permis que vous vivez avec au minimum de dignité dans le pays à Paris, et c'est ça qui fait pour quitter le pays. Alain Mdare, mais que nous allons droit au but, là, parce que nous avons parlé de représentation, disons, secteur droits humains au sein de CSPJ. Bon, bien entendu, ça a gagné ensemble. Ça a été une belle période côté que le secteur droits humains a bataille pour que CSPJA, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, il est monté. Et c'est sous deuxième mandat où René Préval là, ensemble pas été franchi. Et il y a un élément qui est extrêmement important dans le cadre de CSPJA, c'est qu'il prévoit que le secteur qui a bataille pour que droit monde respecte le secteur des droits humains, capable de représenter au niveau de ça. Il arrive qu'actuellement, le processus pour permettre que le secteur droits humains hein, désigné et représentant le niveau de CSPJ a lancé. Et nous ne pas connaître sur qui base que protecteur du citoyen, hein, Maître Nédouville, de décider, choisir une association dans le secteur hein, pour mener un processus qui permettre que le secteur a désigné trois représentants au niveau de CSPJ. Et il arrive
que c'est CEGILAP que Mme Jocelyne Kola a dirigé qui est en charge de question ça. Maintenant, faut que moi dire que ça fait quelques jours depuis que CEGILAP voyait un document dans nous pour le permettre que nous comprenions l'approche qu'il a utilisé. Et gagner on analyse au moins qui est trois niveaux que nous faisons. La première chose, c'est que CEGILAP choisit de leur partenaire, c'est RNDDH avec POSDH, ils ont fait un comité de coordination. Le comité de coordination, c'est eux qui décident d'établir le principe pour que le secteur impliqué dans cette marche, à l'insu de tout le succès de droits humains. Et nous avons des photos pour nous corriger sur ceux qui peuvent commémorer 11 ans. Depuis la présidence pour droit monde respecté. Donc position pour là, Alain Taïm, mais juste pour que nous clair. Donc position pour là, est-ce que c'est par rapport au fait que Kogi pas impliqué dans le processus là? C'est ça vous voulez dire? Premièrement, ça c'est juste la part faire à son secteur. C'est trois associations qui décident c'est eux-mêmes seulement secteur. De mettre en comité. Comité sa première bagarre, il fait exclure en pendant un paquet de l'autre structure. Et maintenant, depuis ensemble l'autre association de droits humains, a dit que Kogi solidaire avec eux, qui estime que l'approche que CEGILAP et NDDH, NDDH a utilisé, elle n'est pas bon. C'était plus association, après de mettre, par exemple, qui a une position de principe, nous-mêmes au niveau de Kogi analysé, nous rendons compte qu'il y a deux défauts. Ça nous dit un, approche que CEGILAP a utilisé pas bon. Ok. Nous gagnons un secteur judiciaire qui fragilisé. Nous avons un pays étranger. Le président nous parle pour le dire que SPJ voyait une liste de 11 juges corrompus pour le nommer. Alain, nous t'aimons nous circonscrit débat parce que nous pas grand pile temps d'ailleurs, mais nous obligé mettre fin à ça. Donc ça veut dire pour le moment, revendication par là c'est que on demande que processus là soit démocratisé de manière à ce que yo capable gagner yon ouverture à plus d'acteurs dans secteur des droits humains pour choix et pour choix moun représentant secteur qui a voyé dans CSPJ a compte tenu de l'importance que CSPJ a représenté. Oui, non seulement ça, nous ne pas souhaiter que trois associations qui prennent ce processus-là d'assoir, y a mettre un système déjà fragile. Ok. Et c'est ça que fait notre clairement approche de gagner avec le CSPJ là. Des marches qui ont engagé le travail, si on continue, on va discréditer d'être en vain. Et on va rentrer le système judiciaire non plus, non tout plus fond. Et c'est ça que je vais demander à Mme Jocelyne Kola pour le stream, pour rendre ce processus-là à tout ce qui est dans le secteur, hein, et pour permettre que le processus soit fait de manière participative. Parce que l'exclusion va être un problème dans le pays, nous ne pouvons pas accepter le secteur de Ok, une dernière question pour Alain. Alain Alfred, c'est Antoine. Est-ce que trois organisations droits humains, ça y est, c'est eux-mêmes seulement qui ont gagné pour désigner représentants secteur à la CSPJ ou bien a fait la consultation avec l'autre organisation droits humains? Est-ce que trois organisations, ça y est, qui ont dénoncé, c'est eux-mêmes seulement qui ont gagné pour désigner représentants secteur à la CSPJ ou bien a fait la consultation avec l'autre organisation droits humains? Non, pour qu'ils soient dit le prend d'assaut, est-ce que vous pas fait la consultation avec, si vous fait la consultation avec l'autre organisation droits humains, pas prend d'assaut là, pour qu'ils soient dit au prend d'assaut? Non, parce que, écoute, vous imaginez que Maître Neidouville, papier droit, choisit une association pour débattre Menil. C'est premier ressorti au niveau de OPC. Deuxièmement, yo bail CEGILAP, puis CEGILAP décide pour col. La mettre en comité de coordination pour mener le processus là, différent de l'autre association, et puis c'est eux-mêmes qui établissent le principe pour mon intégrer dans la démarche là. Je pense que Alain n'a pas obligé, n'a pas obligé retourner sur ça. Parce que premièrement, il est très court.
Donc n'a retourner sous ça Alain, donc n'a pris l'eau pour que nous capable gain possibilité pour nous étendre débat un peu plus et puis éventuellement inviter et l'autre acteur pour nous capable discuter de situation. N'a pas espéré, nous souhaiter que ces gens-là pourraient saisir. Si on continue dans voie au bras les a, il y a ça l'image et il y a ça l'image c'est okay. Judiciaire, excusez-moi, c'est bon. Système judiciaire là déjà sale. D'un niveau que nous tous connaissons déjà. D'accord. Donc, appelle-nous assez, faute approche pour désigner trois mondes pour représenter le secteur d'Oisimé en fait, de manière inclusive et démocratique. Excellent. Ok, merci beaucoup Alain. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. D'accord, merci au même tour. Alors, madame, monsieur, nous retournons avec débat. Donc, il paraît que nous avons plus le temps. Nous avons seulement 5 minutes. Et je pensais que discussion que nous avons gagnée jusqu'à présent avec professeur Demeza, quand nous avons parlé de crise que la société a fait face à lui-même à l'heure actuelle, une crise de confiance qui est établie par rapport au comportement que certains éléments dans le secteur a gagné. Donc, en particulier, n'a pas eu de parlement qui a un rôle central, parce que si n'a pas les deux, si nous aurions été dans l'esprit des lois de Montesquieu, nous pas capable en aucun cas en Haïti écarter rôle que parlement gagne, mais encore faut-il que parlementaire reconnaît rôle yo et jouer de façon correcte. Moi yon naba qui dérange et que Mbalbo parlait de ça tout Wesley, c'est de voir que depuis des années m'a suivre que gon déficit de crédibilité, les gens parlent du parlement, on parle des parlementaires, c'est comme si on parlait de rien du tout. Donc c'est déjà quelque chose pour une société qui est inacceptable. Donc ça veut dire en matière d'image, me penser que gon travail qui supposé fait. Si nous-mêmes les Haïtiens nous parlons ainsi de nos parlementaires, mais aujourd'hui lorsqu'on parle d'image, lorsqu'on parle d'information, c'est à la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire les étrangers partout à travers le monde ont la même image de nos parlementaires, la même image de même penser qu'à ce niveau il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, est-ce que nous pas traduit tout dans amendement constitutionnel qu'a parlé à pour nous intégrer des techniques de la démocratie semi-directe qui prévoit ce qu'on appelle une révocation, la révocation populaire, côté que les élus rivés dans poste, côté que action la posée ou pas répondre avec mandat ligué, hein, et bien avec à l'aide de pétition, population, hein, électeur qui te bail mandat, qui doit adresser une pétition et puis révoquer élu. Mais là, ce sont des techniques de la démocratie semi-directe. Mais et laisse à la population que n'a dit qui gagne mon qui dit le zombifié. Là, la possible parce que là, il va pas agir. Mais dans l'autre secteur, pas agir. Dans l'autre secteur, tout dans la société a pas fait travailler. C'est tu as lui m'était mentionné Gougous pour réagir sous lui, m'était mentionné le fait que dans le secteur universitaire là, les étudiants parce que souvent on gagne dans société, dans société américaine on joint ça, on gagne des forces de pression qui là qui pral venir avec des études à l'appui pour montrer que l'individu a fait travail. Oui. Laisse à nous gagner preuve et puis n'aller devant population nous montrer de manière désintéressée. Mais il faut bailler population possibilité ça et laisse à les parlementaires, laisse qu'elle connaît que population, citoyens qui bal mandat capable révoquer au moins yo capable conformer on par contre soit penser et profession. Non, c'est yo n'a plus faiblesse yo. Post 86 majorité organise société civile yo émerger avec des fonds internationaux. Toute nécessité de dire, la chambre et l'impédiole, c'est pour ça ma travail. Et nous l'avons vu que lors des observations des élections en 2011 et en 2015, c'est le rapport de l'Union européenne et de la USAID qui ont prévalu. Tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes, mais MOE, mission d'observation électorale d'âme italienne, Union européenne, dit. Tout va bien chez Madame la Marquise. La majorité des institutions ont été à la radio pour dire tout va bien chez Madame la Marquise. Mais pas toutes. Il y avait quand même des il y avait quelques voix, la majorité. Oui. Donc, alors, il n'a pas tourné à société, à secteur privé, hein, qui est cher à nous trois, là. À loin de quel que soit monde dans le secteur privé, hein, qui mouvement associatif de la société civile les financer? Nul. 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 Mais pour qui ça? Ah, parce que n'y a pas besoin de société civile. Parce que n'y a besoin de perdurer petits avantages. Les rares hommes d'affaires qui voulaient entrer en modernité, l'État empêche d'arriver en modernité parce qu'ils ont persécuté et leur père
à persécuter. Regarde cette cabale contre Daniel Rouzier. Simplement, phrase, n'ayez pas peur. Faire face à la responsabilité en tant que, entre guillemets, possédant. Non, pas seulement n'ayez pas peur. C'est aussi de dire, de payer, de donner à César ce qui revient à César. Ça, c'est fort de dire ça. Oui. Ça veut dire que ce secteur privé qui prend prétexte depuis longtemps de dire que l'État ne n'utilise pas de façon correcte et les taxes, donc de décider de pas payer plutôt mais, que. Donc, qu'est-ce qui est importé si au fond nous connaissons à la caillou, ça me se dit. Qu'est-ce qui est importé pour Dieu avoir à la caillou? C'est ça le problème. C'est, et en plus de cela, il faut le dire, on va pas tirer à boulet rouge sur les médias. Mais de plus en plus, il y a eu cette révolution post-86 au niveau des médias. Je crois qu'il faut une nouvelle révolution. Non, je pense que dans les médias. Je crois qu'il faut une nouvelle révolution. Je pense que dans les médias, nous avons un problème. Et puis, moi, fondamentalement, parce que comme par été, nous avons pile temps, moi-même, je pense que matin, dans l'éditorial, je t'ai parlé de questions économiques pour que nous t'ai montré que la pauvreté en Haïti, ce n'est pas uniquement une question d'argent. Et nous avons des preuves, depuis quelques années, nous avons eu beaucoup d'argent. Oui. Nous avons pile comme qui passe dans le pays, mais comme il n'y a pas utilisé de manière efficace, à bon escient, ça veut dire population pas bénéficier de eux, mais c'est la même chose que nous pourrions le trouver, nous, en société, quand on a un média, ou on sait d'un élément dans les médias aujourd'hui, qui se disent vedettes, d'ailleurs, nous, Oueli, c'est des vedettes, et puis, qui sont très, très écoutées, population, entendez-vous. Et malheureusement, ce sont ces hommes qui sont des sbires, qui sont des agents même que secteur politique et privé et haut a manipulé. Et puis c'est eux-mêmes qui ont mené la population dans la situation que côté lié là. Donc, d'accord, Volo dit qu'il faut qu'on révolution. Ouais. Et parce que aussi, et professeur, nous rentrons dans une culture de la facilité dans la société haïtienne. Ouais. Culture de la facilité qui vient faire que rien ne peut être expliqué. Tout, il faut que ça soit facile. Il faut qu'on comprenne facilement. Et c'est ça, Yorélo, par exemple, le Wale au Québec ou bien dans d'autres sociétés, on appelle ça. Et on appelle ça radio poubelle, média poubelle. Ça veut dire que c'est des gens qui viennent avec une certaine facilité pour dire mon de façon simple, mais en même temps, dans la réalité, ces gens, ils n'ont pas mené mon nulle part. Parce qu'ils n'ont pas aidé à comprendre les enjeux de la société. C'est du bio. Et me pensais que, ouais, je veux dire, moi, je pense que cette émission. M'a dit c'est moi pour l'inviter chaque fois. Faut nous prendre avec d'autres monde, d'autres voix autorisées. Mais c'est ce que nous faisons. Non, là, une fois par semaine pour un débat de cette profondeur. Bon, nous faisons des débats sous des points bien précis de profondeur, mais sous débat, les enjeux de cette société. Le rôle de l'université, le rôle des médias, le rôle d'un parlement. Pas oublions bagaille, Marcel. Il y a un secrétariat général à la Chambre des députés au Sénat. Il y a un secrétariat général adjoint aux affaires administratives pour gérer le Coblan. Il y a un secrétariat général adjoint aux affaires législatives. Mais pas Géyoun, qui est un organe de contrôle de l'État. Or, une fonction parlement, c'est fonction contrôle-là. Oui, mais on n'est pas capable de contrôler. Les... Alors, il faut un secrétariat général adjoint au contrôle. Mais c'est peut-être ça, me surprend l'exemple de Montesquieu. Pour que nous contrôlions l'État, pour que le Parlement les contrôle l'État, il faut qu'il soit complètement indépendant de l'État. Il n'est pas capable de contrôler. Que tel ministère appartient à tel parlementaire. Comment on va le faire contrôler là-là? On n'est pas capable de contrôler que pour la période. Non, c'est pas fait demain. Dernièrement, là. Pâques. Il y a chaque député. T'es joint 250 000 gouttes de l'exécutif, pas chaque député, les députés proches du pouvoir, t'es joint 250 000 gouttes, et les sénateurs, 500 000 gouttes. Et tu vois, c'est con. Avec ces 500 000 gouttes, réserver la moitié maintenant pour chaud, a fait des distributions comme s'ils étaient des envoyés, des anges. Mais on va rendre compte qu'ils ont une corruption crasse. Ils sont d'une laideur extrême. Et c'est nous, même mal plus loin. Faut que dit bon, député, sénateur, tête nous pas la vérifier, m'a bon micro encore dans certains médias. Faut pénaliser, yo. Tu as mis certains ministres. On va être simple, là, Marcel. Faut que nous restions sélectifs. C'est oui, pas tout, qui c'est pas tout. Qui j'en qu'arrivé que, quoi que me paye l'État, a fait des campagnes de publicité, parce que Marcel dit on bagage sous tel ministère, ministère coupé contre la radio. Donc, on remet en question.
l'évolution normale de la station de radio. Mais on pensait que ces contrats doivent être tout à fait indépendants. Et on oublie que la radio, ça veut dire c'est une entreprise. Oui. C'est un PME. Oui. Pas un développement dans société sans c'est PME, vrai. Parce que ce sont des créateurs de richesses. Donc, l'on prend Oxfam à UNICEF, met ensemble, pour remettre, on affiche, fait pour poudre dans la latrine, et laver main, on s'est fiaté. Bien sûr. Même genre, ministère jeunesse, font erreur, non, ben, wall, au lieu de mettre drapeau, on met drapem. Est-ce que c'est erreur? Est-ce que c'est bon symbolique qui annonce que c'est développé ou développé, non, les seuls comme morts? Et vous quittez le passé. C'est, monsieur, on clé. Nous vivons au niveau. Nous n'avons même pas conscience que nous avons de l'eau sentie. En tout cas, il faut que nous mettions fin à l'émission Gogous. Malheureusement, c'est toujours très difficile de laisser Gogous partir, surtout. Premièrement, à l'analyse faite en profondeur, mais aussi me penser que c'est fondamental que nos sociétés, au Guinée, aient une prise de parole franche. Ça veut dire de dire la vérité telle qu'elle est. Et me penser que dans la société haïtienne, non, cette question de courbette, cette question d'hypocrisie, et il faut que nous finissions avec ça. Il faut dire la vérité. Son société qui n'a pas fonctionné, je veux dire, Noël, les indices montraient que pas fonctionné. Mais moi, je pense que faut que nous avons notre discours par rapport à la pauvreté. Haïti n'est pas un pays pauvre. Nous sommes un pays qui n'a pas de leadership. Nous sommes un pays qui n'a pas gagné des politiques pour permettre à ce que nous avons une bonne distribution de la richesse dans la société. Hein. À l'heure actuelle, nous connaissons les corps dans le pays. Hein. Et nous-mêmes, nous pas entrer dans une dynamique côté Nabdi, Al-Kaïtel, chercher l'argent. C'est pas ça du tout. Nous avons parlé d'une société démocratique, côté l'État a des attributions pour que le rende compte que faut qu'il fait distribution de richesse dans la société. Hein. C'est rôle. Li. Et pour le faire, il faut qu'il y ait une politique adaptée à ça. Pour permettre à ce que les gens qui pauvres là, au moins capable de manger bien une fois, manger décemment une fois par jour, et que les gens capable de vivre avec dignité dans la société. Moi, je dis ça, Marcel. Voilà, c'est, et Marcel, nous arrivons dans fait émission, parce que nous prenons bon parti dans l'heure là. Et merci à professeur Auguste Demézard, parce que tu réponds présent à l'invitation nous, pour émission Signal 90 degrés, première soutien nous, pour ce maintenant. Merci Marcel, merci Martinez, Claire Sidor, qui était là. Obligation pour me saluer au monde. Son monde de Chili qui voyait mandem pour me saluer son fidèle auditeur bon 11 secondes pour me saluer son fidèle auditeur qui toujours branché si Chili pour émission ça c'est Marcus qui mandem pour me saluer maman pour lui et me m'a cherché là sur téléphone dans bouk a joindre pour pas chercher le professeur bizarre c'est Maxon qui mandem pour me saluer maman professeur Gomba Ali va dire moi t'aller avec une équipe non corrompue en un an on peut remettre ce pays dans un statut d'être humain, donc debout, et non repas. En un an. M'a dit tout, on a besoin, mais en un an, l'avenir. Seulement un an. Sur en un an. Moi, je suis d'accord, ça va bon. En tout cas, je vais qu'il est viré, je vais une liste d'activités qu'on a fait pour changer le bailleur. Mais on va faire. Alors, nous saluons Maxon Richer, qui t'a écouté nous depuis Chili, et puis qui m'a dit pour nous saluer Gracieuse Blaise Mamal. Très bien. Merci tout le monde. Nous bon rendez-vous pour demain mardi pour deuxième sortie. On l'autre émission Signal 90 degrés sous Signal FM 90.5. Merci tout le monde. À demain. 90.5 Signal FM. 90.5 Signal FM. Chaque jour, depuis 9 FM Bang, Signal FM a présenté nous Signal 90 degrés. Une émission sociopolitique pour une parole libre pour guider le pays à tout bon vrai sur route changement total capital. Parole Signal 90 degrés, pas mesuré dans ma mythe personne. Son parole sans force côté qui réunit l'idée tout le monde qui voulait mettre le pays à sur route changement tout bon vrai. Un changement pour tout le monde. Pete Comaron, Zanana Compingouin. Signal 90 degrés sous Signal FM 90.5 ou bien www.signalfmhaiti.com. Mes amis, mes virages là, oui. Écoutez pour comprendre. Écoutez pour mieux décrypter l'actualité. Sur Signal, l'info de qualité, c'est plus qu'une garantie. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue.